Alors voilà pour aujourd'hui, ce sera une petite partie, ou bien une petite introduction, et bien sûr développement et conclusion du modèle Solow. Donc ce modèle Solow, bien sûr comme tous les modèles, c'est un modèle qui est, je dirais, toujours on commence avec des hypothèses. Donc quelles sont ces hypothèses de ce modèle? Et après les hypothèses, il faut poser la question, comment peut-on vérifier ces hypothèses à travers l'analyse, le développement du modèle. Et finalement, quels sont, je dirais, les éléments non traités par cet outil ou bien par ce modèle. C'est-à-dire, à savoir, là, il faut citer les critiques. Voilà, alors on commence. Donc, pour le modèle Solow, donc ce modèle, face à la difficulté rencontrée par le modèle Harrod-Domar et apprécier le comportement d'investissement. Donc, quand on parle de modèle Solow, il est nécessaire de parler, il est nécessaire de mettre de faire appeler deux éléments. Généralement, des éléments, donc on a l'investissement dans un premier temps et on a le progrès technique. Voilà. On a l'investissement et on a le progrès technique. Voilà, ce sont deux éléments qu'il faut toujours rappeler quand on parle du modèle Solow. Alors, ce modèle, j'ai dit il a apprécié le comportement de l'investissement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pour le modèle, pour le, pour Solow, l'élément, ou bien la clé de la croissance, c'est l'investissement. Alors, les néoclassiques décident à retenir une autre fonction de production Solow et à essayer d'effectuer une synthèse entre l'approche keynésienne et l'approche néoclassique. Donc, nous allons voir à travers la fonction de production, à travers la fonction de production de Solow, nous allons voir que, en quelque sorte, c'est une sorte de synthèse entre deux courants, bien, entre deux approches, approche keynésienne et approche néoclassique. Donc, ce qui explique quoi? Ce qui explique que son point de départ correspond aux conclusions de Domar et de Harrod, c'est-à-dire les hypothèses et les points de départ de ce modèle Solow, ce seront les conclusions ou bien je dirais les stades finaux de modèle Harrod-Domar. Alors Solow admet toutes les hypothèses des deux économistes, sauf celle-ci des proportions fixes du capital et du travail. Ce que vous savez, que le modèle Harrod-Domar, on a dit que le capital, ou bien le revenu, est une proportion fixe du capital. Donc, ce sont les deux différences en termes de proportion fixe du capital et du travail, les différences qu'il y a par rapport aux autres modèles. Mais pour les autres hypothèses, ce sont les mêmes hypothèses qu'on a reprises. Alors, première hypothèse, H1, la fonction de production comprend deux facteurs. Donc, comme vous savez, Daemon Adna du daily facteur. La fonction de production comprend deux facteurs. Lesquels? Facteur capital, facteur travail. Toujours, on parle de deux facteurs. Le modèle Solow, capital et travail. Par contre, le modèle Domar, on a commencé seulement par le facteur capital. Et après, parmi les critiques qu'on a adressé là, le modèle qu'il a négligé, il a négligé le facteur capital, et après on la reprend le modèle, pardon, le modèle Harrod. Ça marche? Donc cette hypothèse est telle qu'elle est dans le modèle Harrod. Donc la fonction de production, bien, la production généralement est expliquée par deux éléments, le capital et le travail. Quand on parle du capital, et peut-être un capital physique, un capital immobilier, un capital financier, n'importe quoi. Donc les différents types de capital, comme vous le savez. Et quand on parle du travail, c'est nécessairement la manœuvre, nécessairement la force de travail fournie par les ménages. Après, pardon, l'hypothèse 2. L'hypothèse 2. Donc, cette hypothèse, on a vu que c'est le contraire de l'hypothèse de Kanzad Nafar. Donc voilà, les facteurs de production sont substituables dont le coefficient du capital est variable. Donc on a deux, les facteurs de production, ce sont deux facteurs les moins substituables, c'est-à-dire ne sont pas complémentaires. Oh, le coefficient du capital, comme vous le savez, c'est K sur L, c'est-à-dire le rapport capital-travail. Quand on fait ce rapport avec deux facteurs de production qui ne sont pas substituables, c'est-à-dire avec deux facteurs qui sont complémentaires, là, on parle de quoi? On parle d'un coefficient qui est fixe.
Pardon. Par contre, lorsqu'on a deux facteurs qui sont substituables, on peut substituer le capital par le travail. Là, le coefficient de capital sera variable. Vous avez compris? Donc, Feshkendo, elle a les facteurs H2. Les facteurs de production sont substituables. Feshkendo, elle a deux facteurs substituables. Deux facteurs substituables, à savoir le facteur travail, facteur capital. Quand on parle de deux facteurs substituables, maintenant, on a quoi? Maintenant, on a un coefficient de capital variable. Pourquoi? Le coefficient de capital est égal à K sur L. C'est le rapport capital-travail. Par contre, quand on a deux facteurs de production, quand on a deux facteurs de production qui sont complémentaires, on est dans le cadre d'un coefficient de capital qui est fixe. Pourquoi? Parce que ce sont deux éléments complémentaires. Bech augmente TK, K et L augmentent de la même proportion. D'où le rapport reste le même. Vous avez compris? KOL qui est Z9, c'est la proportion. Il y a la définition des deux facteurs complémentaires. Oui, c'est Mohamed. Mais le cas compte que les facteurs substituables, comme la parole, on voit la fonction. Oui. C'est avec la fonction, c'est ce que je veux dire. Mais le cas compte substituable. Au niveau de la microéconomie, maintenant, trois types de fonctions. Il y a trois types de fonctions. Plutôt quatre. Fais-je qu'on a des facteurs liés au mode complémentaire. Quand ça me le met, c'est meublé la fonction liée en TF. Les TF, qu'est-ce que ça veut dire? Q égale à donc le min d'une fraction sur L, si je me rappelle, B sur K, c'est comme ça. À la puissance un paramètre. Je me rappelle plus le. Exactement, je sais que ça va être le paramètre, mais attends, il y a tête. Voilà. C'est-à-dire la fonction liée en TF. La fonction liée en TF est utilisée lorsqu'on a qu'un simple F, parce qu'on a des facteurs liés au mode complémentaire. Après, on a, fais-je trouver maintenant, une substituabilité. Une substitution. Substituabilité imparfaite. Il n'y a qu'un semlo, la fonction coupe de glace. La fonction coupe de glace. Et après, fais-je qu'est-ce qu'on a dans la substituabilité parfaite. La substituabilité parfaite, il n'y a qu'un semlo, les fonctions linéaires. C'est-à-dire y est égal à l. C'est-à-dire A fois L, pardon, A fois L à la puissance alpha, plus B fois K à la puissance, mesela, theta, n'importe quoi. C'est une fonction linéaire. Parce que si on a deux facteurs liés au substituable, mais de façon imparfaite, quand on a la fonction coupe de glace, il est ensemble, le cas d'Yana, derrière, Y est égal à FLK. Qui est égal à une fraction a, un chauffe après ce qu'il y a a, fois L à la puissance alpha, fois K à la puissance N moins alpha. Ok? Elle dit qu'elle est la fonction coupe de glace, et elle a un simple flocadienne. Pourquoi? Parce qu'on suppose que les deux facteurs se sont substituables. Mais dans le cadre d'une substituabilité, les A imparfaite. Ça va? C'est bien ça, Hussein? Ah oui, ça. Bien. Alors, j'ai dit la deuxième hypothèse. Les deux facteurs sont substituables, signifie quoi? Le coefficient de capital. Le coefficient de capital noté V. Il a K sur L. K sur L. Ça marche. Donc, quand on fait K sur L, il est quand même les deux facteurs sont substituables. Substituables. C'est-à-dire, on peut substituer K par L, et là, et le contraire correct. C'est-à-dire, on peut substituer L par K. Maintenant, on parle de quoi?
Si on peut substituer K avec L et L avec K, là, le coefficient V variable. Le coefficient V est un compte variable. OK? Mais le cas de la complémentarité, V est égal à K sur L. D'où toute augmentation de K conduit à la même augmentation, la même proportion L. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Hadek est bras constant. Vous avez compris? Faut bien. Ah oui, d'ailleurs. H3, l'hypothèse 3. La productivité marginale du capital est décroissante. Voilà, la productivité marginale du capital. Prenons le cas de. Qu'est-ce qu'on veut dire ben, par la productivité marginale? Il y a la question qui se pose. Ben, je suis la productivité marginale. La microéconomie. On a deux concepts, utilité marginale, productivité marginale. Qu'est-ce qu'on veut dire par productivité? Qu'est-ce qu'on veut dire par est marginal, autrement dit? Quel que soit. ديك لا برودكتيفيتي مارجينال يعني على حساب داكشي اللي زدنا مثلا بالنسبه للكابيتال بالنسبه للفاكتور شحال كتعطينا؟ هو الهامش الأقصى اللي ممكن تكونسومي لا لا داكشي اللي زدنا مثلا في الفاكتور كيعطينا فين كتزاد من لا برودكسيون بواحد النسبه هذيك هي Oui, لا برودكتيفيتي مارجينال c'est la productivité marginale. Alors là, quand on parle de la productivité marginale, il y a la productivité marginale du capital. Et il y a de combien de la variation du capital, yak, et là, la variation de Y. C'est-à-dire quoi? Chal raid Z du capital, c'est Y. Ça marche. Chal raid Z du capital, bêche Y Z. Voilà, il y a la question. Ça marche. Donc, الشيء العكس سي محمد إلى درنا لا أتون إحنا بينو دونك إلى درنا لا ميتيبليكاسيون كا فاريسيون دو كابيتال كتعطينا بي إم كا فوا فاريسيون إيكغيك دو توت فاريسيون نو سي العكس باردون دونك لا فاريسيون دو إيكغيك سور لا فاريسيون دو كا علاش فاش غندير لا ميتيبليكاسيون غتعطينا بي إم كا فوا لا دو هادي هي لا فاريابل إكسبليكي إيكغيك est égal à PMK fois variation K. C'est-à-dire toute augmentation de K, 1%, une unité, conduit à une augmentation de Y, PMK. Après, c'est la productivité marginale. Hadi d'abord, fais-moi K. Hadi, le K discret. Hadi, le K discret. Je compte la dimension discrète. Voilà, qu'un le K continu, qu'un exploit le dérivé. Le cas continu, qu'est-ce que le dérivé. Alors, pour une fonction de ce type de coupe de glace, donc k à la puissance alpha, l à la puissance 1 moins alpha, donc bien sûr avec un coefficient a, un autre, la productivité marginale du capital ou la productivité marginale du travail. Alors, la productivité marginale du capital, faites le cas, est égal à combien? Est égal à la dérivée partielle d'y par rapport à k. Qui est égal à quoi? Donc c'est a, k à la puissance alpha, l à la puissance 1 au moins alpha, le tout prime par rapport à k. Quand on fait la dérivée, اي حاجه من غير كا جو في با لو توشي هادي ما غاتقاش هادي ما غاتقاش دونك شنو غيبقى كا على بوسونس الفا سي الفا كا الفا الفا على مونز بوسونس الفا الفا مونز عاد في لو غيست اللي هو ا ال على بوسونس ان مو الفا فوالا الى طلبت منك في دوزيام ايتاب لا برودكتيفيتي مارجينال دو ترافاي لا برودكتيفيتي مارجينال دو ترافاي Au lieu باش انا كدير ديريفي بارابور ا كا ديرو بارابور ا ال سادير ايغريك بريم بارابور ا ال دو سي ا فوا كا على بوسونس الفا ال على بوسونس ان موان الفا لو تو بريم بارابور ا ال ات ايغال دونك الى درنا ديريفي بارابور ا ال دونك لو غيست اي حاجه ما فيهاش ال غتبقى كما هي ا كا على بوسونس الفا ها اللي غندير الديريفي ديالو
Donc, à ça, tu en as 1 moins alpha multiplié L fois 1 moins alpha moins 1. يعني ألفا Alpha ou la moins alpha? غتكون عندنا واحد ناقص ألفا ناقص واحد غتبقى لنا ناقص ألفا Moins alpha. Moins alpha. Oui. Fois A à la puissance. Fois, pardon, A fois K à la puissance alpha. Voilà. C'est-à-dire dérivé par rapport à L. Donc voilà. Après, Hadi, c'est pour la productivité. Pour la productivité marginale. Supposons d'abord, j'ai demandé la productivité moyenne. J'ai demandé la productivité moyenne. La productivité moyenne du travail. C'est égal à quoi? Approximons à la L. Effectivement, il y a la fonction divisée par L qui est égale à L à la puissance alpha fois K à la puissance 1 au moins alpha et la marque de change divisée par L. Donc, alpha, L à la puissance alpha, L à la puissance 1, donc A L à la puissance alpha moins 1 fois K à la puissance 1 au moins alpha. C'est tout. Ça marche. Donc la productivité marginale, marginale, il y a l'effet d'un élément et là un élément. Par contre, la productivité moyenne, il y a la moyenne arithmétique le global, mais le particulier. Voilà. C'est-à-dire que la productivité moyenne du capital, il y a la production globale Y divisée par K. La productivité moyenne de L, c'est-à-dire moyenne, il y a quand même L 5 travailleurs avec une production de 20. Je n'ai la productivité moyenne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le travailleur, au moyen, je vais attendre. Vous avez compris? Elle attend 4 unités, autrement dit. Faites le cas. C'est bien? Alors, la troisième hypothèse, on a dit la productivité marginale du capital est décroissante. Donc, comment? D'abord, on a bien la productivité marginale du capital. Ou alors, on a bien la décroissante. Donc, il faut que bien la décroissante. Qu'il faut que tu saches, il y aura une productivité marginale et les décroissantes. De la dérivée partielle ou la seconde? Non, partielle. Et la première. Vas-y. D'ailleurs, des connaissances. La microéconomie, qu'on a quand deux propriétés liées à les courbes d'indifférence, à savoir la convexité et la décroissance. Donc, je ne connais qu'un dire. Parce que bien, elle a une courbe d'indifférence, elle est convexe. Ou là, la courbe des isoproduits, elle est convexe. Donc, je n'ai rien à dire normalement. Je crois que c'est la convexité qui est la deuxième dérivée. La première dérivée. Effectivement. Donc, il a quand le premier dérivé négatif, il y a quand le premier dérivé négatif, maintenant, qu'un goulou blera décroissante. Vous avez compris? Bien. Alors, quand d'abord, hypothèse 4. Alors, hypothèse 4, il y a un équilibre sur le marché des biens et services. Donc, toujours, inspiration keynésienne, on a toujours Y est égal à C plus S. On l'a autrement dit, Y est égal à C plus I. Vu que IS, c'est-à-dire l'équilibre sur le marché des biens et services, l'investissement est égal à l'épargne. À travers, bien sûr, par l'intermédiation de la consommation. Donc, on a Y, le revenu, est égal à la consommation plus l'investissement. Après, on a.
Donc le taux d'épargne, il est exogène. Yani, il est contre le modèle Caldor. de Kaldor. Donc il est contre le modèle de Kaldor. Le taux d'épargne est exogène. Donc il dépend de quoi? Il dépend de revenus. Ça marche? Après, on a le capital se déprécie au taux delta et l'investissement accroît le stock du capital. Voilà, signifie quoi? Dit la relation l'irdem, la variation du capital est égale le niveau de l'investissement moins le niveau déprécié du capital. Voilà, donc si l'irdem capital, l'amortissement dialo, bien sûr le niveau brut du capital égale l'investissement moins d'amortissement ou la dépréciation, le niveau déprécié, le niveau perdu du capital. La variation de capital, c'est-à-dire ce que c'est le capital, mais une période T plus 1 et une période T, ou là, une période T et T moins 1. Faut que je dise la différence, il y a variation de K. La variation de K, la variation du K, le K continu, il y a K de T moins K de T plus, K de T moins 1, pardon. Voilà, K de T moins 1 est égal à l'investissement, la période T moins la dépréciation du KT. Signifie quoi? Signifie que l'équilibre de la période T, le niveau du capital, et la variation du KT, et animé T au T moins 1, la différence, mais bien l'investissement ou la dépréciation du capital. Je vais déprécier le capital de la période ou je vais investir de la période. Je vais dire la différence qui atteint le niveau de capital de la période. Le stock, autrement dit, du capital, le reste. Je vais dire la variation. Un FLK discret. Par contre, d'abord, un graphe comme ça, le stock du capital, une période T au T plus 1. Je vais dire. Rendu le delta plus 1 moins delta. Je n'aurai pas. C'est-à-dire, le cas discret, car je m'ouvre la variation. Ou alors, le cas continu, car je m'ouvre l'intégral. Le stock du capital, mais une période, une autre période, c'est l'intégrale. L'intégrale de t plus 1 dlk. Vous avez compris? Le cas continu, le cas discret, c'est la variation. Ok. Après, on a l'hypothèse 7. Donc, la population croît avec un taux exogène constant. Donc, voilà le taux de croissance de la population. Donc, la population, d'ailleurs, on suppose que la totalité de la population, elle est quoi? La totalité. Que le taux de croissance de la population, qu'on se met noté n, ou n, est égal à quoi? Est égal à la variation de L sur L. Signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais avant, je me suis de l'équation. ماشي هذيك لا نمبر دو غادي يكون بوبيلاسيون اصغر من واحد غادي يكون هو نورمالمون اصغر من واحد بوتيتر هنايا سي فوي شنو هو ال هو لو ترافاي سي فو تو ترافاي هي لا بوبيلاسيون اكتيف يعني كل ما تزاد كل ما تزاد ليفيكسيف يعني ديال الفئة النشيطة ولا هذا ديموغرافي كيتزاد واحد لا كروسونس Oui, donc le taux de croissance démographique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est comme quoi on suppose que la totalité de la population, il est quoi? Il est actif. Actif Actif ou nashita. occupé. Actif occupé. Et on n'a pas de chômage. Vous avez compris? Oui. Ok. Et finalement, sans oublier,
là l'hypothèse de CPP, donc l'hypothèse de concurrence pure et parfaite. Toujours, Flocka, via le modèle Solow, on est dans une concurrence pure et parfaite. Alors, tu m'y aides les hypothèses à retenir. Tu m'y aides les hypothèses à retenir pour Solow. First, deux facteurs qui peuvent expliquer la production. Deux facteurs qui peuvent expliquer la production, lesquels? Capital travail. Second, maintenant, les facteurs de production, les facteurs, les deux facteurs, l'hypothèse 1, ce sont deux éléments substituables. Gna substituable signifie que le coefficient de capital K sur L, il va changer. Ok? Non, moi je n'ai plus. Non. Ok. Alors, l'hypothèse 3, la productivité marginale du capital est décroissante. Donc, NAA, quand on fait la variation, là, quand on fait la dérivée de Y par rapport à K, NAA a une valeur. Et quand on fait l'étude de signe, elle croit un signe négatif. C'est-à-dire que une productivité, le sens de direction, elle est décroissante. Ok? Il y a un équilibre sur le marché de biens et services. C'est-à-dire toujours, on garde l'équilibre. Y est égal à C plus S, c'est-à-dire le revenu national est égal à la consommation plus l'investissement. Ou bien, est égal à la consommation plus l'épargne, autrement dit. Et après, on a le taux d'épargne exogène. Donc, quand on parle de... C'est-à-dire, elle est contre le modèle Cal-d'Or, c'est-à-dire, elle est avec les modèles d'Omar-Harrod. Donc, n'ayant qu'on suppose que l'épargne est exogène à travers le taux d'épargne. Ça marche? Et l'hypothèse 6, le niveau de capital est égal à la variation entre l'investissement et le capital perdu, ou le niveau de capital déprécié. Ok? Et finalement, on a la population croît avec un taux exogène noté N, les rois, le rapport entre la variation L et le niveau L, sans oublier que les sept hypothèses ne sont plus valables, et les valables, sauf le cas d'une concurrence pure et parfaite. ممكن تعاود هاد هاد في الاخر ما سمعتكش مزيان J'ai dit que les 7 hypothèses de قبل ما ندوي على l'hypothèse 8 هاد السبعة ديال les hypothèses de قبل ne sont pas valables يعني ما ne sont pas floues يعني flou je dirais on peut pas parler comme exemple on peut pas parler d'une des facteurs sub, non sub يعني complémentaires floues ou là même que je dois des facteurs les substituables et la floues la concurrence pure et parfaite. C'est quoi le ténèfus? Signifie quoi le ténèfus? Signifie que le produit qui est un bzèv des producteurs et il est demandé par bzèv des consommateurs. Voilà. C'est-à-dire quoi? Il aide le produit grâce à la concurrence parfaite un de des produits les homas similaires le même marché. Donc on ne peut pas parler de facteurs les homas substituables. Il a une concurrence pure et parfaite. هادشي اللي بغيت نقصد يعني خاص يكون لا كونديسيون ديال سميتو ديال الشفافية و ايفيسيمون دونك هنايا هاد ليبوتيز 8 اون بو دير كو سي كونديسيون بور لو ريست دي ليبوتيز يعني الا ما كايناش ديك ليبوتيز زوين الاخرى كاملين كيطلعوا راه ما طرحش باش بلا الموديل ايفيسيمون C'est comme dans l'analyse micro, l'analyse de l'équilibre partiel. L'équilibre partiel, quand on fait les conditions de l'équilibre, le prêt est égal au minimum de coût marginal, alors même que je dois aller avec la condition, sauf il y a une concurrence pure et parfaite. Et même l'équilibre général. L'équilibre général, toujours on suppose qu'on est dans une concurrence pure et parfaite. Sinon, mais avec les conditions, le niveau de prix d'équilibre, mais chez Homelias. Donc il faut faire dans tout type de marché, tout le marché, un de des conditions, des caractéristiques. Quand on parle du marché monopole, le prix, de la même manière, le marché de CPP. J'ai dit le marché de CPP, le prix d'équilibre correspond au minimum de coût marginal. Par contre, le marché monopole, il co correspond à l'égalité recette marginale, coût marginal.
Donc, au moment où j'ai le prix d'équilibre. Par contre, les autres marchés, non. C'est-à-dire que le marché, monopole discriminant, autres conditions, CPP, conditions, oligopole, conditions, duopole, conditions. Donc, en tout cas, ce sont des types de marchés, des régimes de marché, de l'économie industrielle. Donc, rien, le marché a un des conditions d'équilibre. Vous savez? Pas de question? On passe. Ok. Alors, premièrement, donc l'analyse de le modèle solo. Donc on va réécrire la fonction de production utilisée les deux modèles d'Omar Arendt. Donc, on a appris le modèle solo, il reprend les mêmes hypothèses les hypothèses d'Yel, le modèle Harrod-Domar. Mais avec des modifications. Donc, il est nécessaire de réécrire la fonction de production. Il est nécessaire de réécrire la fonction de production. Alors, la production selon l'hypothèse 1, la production selon l'hypothèse 1, il dépend de quoi? Il dépend de deux facteurs. Les romans, le capital et le travail. Travail. Donc après on a le progrès technique. Donc on a le progrès technique. Wesh comme facteur. شي حاجة هي الأكسجين وي Oui, c'est un facteur. سمي ولكن oui, c'est un أكسجين ولكن ما مستقلش بوحدو. Effectivement, c'est-à-dire on ne peut pas parler du progrès technique et là la présence du capital et du travail. Oui, bien sûr. Vous avez compris? Donc voilà, il y a les délibérations. Donc, dès chez LH l'hypothèse, on a supposé qu'on a deux facteurs, capital et travail. On n'a pas parlé du progrès technique. Pourquoi? Le progrès technique, c'est une extension d'une présence du capital et travail. Ça marche. Après, on a donc la fonction de production. Elle dépend de deux facteurs K et L. Et après, la deuxième hypothèse, nous avons que les deux facteurs, ils sont Substituant. substituables. Substituant. D'où quelle fonction que nous allons utiliser. Alors, je mets un type de fonction un simple. Le cas de l'analyse. Coupe de glace. Fonction coupe de glace. Effectivement, on va utiliser la fonction coupe de glace. Bien. Alors, on commence. Donc, j'ai dit premier point. Point lourd. 1. Le modèle de Solow. Le modèle, là, il est très important. La plupart du temps, il est très important. Donc, j'ai dit, Awel constat, Awel élément de l'analyse de le modèle, la fonction de production. Donc, Naoudo, Nxbo, la fonction de production selon Solow. And Solow. Voilà. Fonction de production. Ok? Alors, j'ai dit, que la production, elle est expliquée par deux éléments. Normalement. Le capital, Le capital, le travail, le travail. et le travail. Et après, on a introduit le progrès technique, les WAE. On a introduit le progrès technique. Pourquoi Alèche le progrès technique il est associé au facteur travail et non au facteur capital? Parce qu'on parle d'efficacité des travailleurs. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on doit choisir des travailleurs qui ont une expérience
Non. qui sont efficaces, non? Fais Mais hein? le technique va créer ça, l'efficacité de facteur de travail. Effectivement. C'est-à-dire que le travail fourni par un ménage réécoute efficace grâce au progrès technique. Ça marche. Avec le travail, avec la force de travail, le ménage réécoute efficace le progrès technique. C'est pour cela, E, il est associé avec L, mais avec. Ça marche. Donc voilà, la fonction de production, Y, est égale à quoi? Est égale à K et EL. Ok? Et après, on a dit quoi? On a dit, bien, une fonction courbe de glace. Une fonction courbe de glace. Donc, Y est égal à quoi? Est égal à K fois alpha, pardon, à la puissance alpha, fois EL à la puissance 1 moins alpha. Ça marche. Je sais pas, wesh tiri tout, la bonne signification de la fonction coupe de glace. هذيك دائما سمح لي بالنسبة لهذيك كل لا فاكتور كندير لا بويسونس ديال النسبة ديالو وجوج بهم راه كيعطيونا ليفيكاسيتي ديال واحد يعني 100%. Effectivement. Ah non, non, t'es comme un autre constat. Si vous vous rappelez, la microéconomie, quand on veut savoir de combien le bien X ou bien la consommation du bien X sera substituée par une autre consommation d'un autre bien Y. Je connais qu'un hasbo. Ce qui s'appelle le TMS. Le TMS est égal à quoi? Est égal à Y sur X. Seulement le cas d'IL fonction courbe de glace. Signifie quoi? C'est-à-dire la substitution d'une unité de Y qu'est-ce une unité de X. Voilà, c'est-à-dire la fonction de courbe de glace. C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, il est britannique substituer une unité du capital, rien substituer une unité d'IL EL. Ça marche. Il est britannique une unité du capital, rien une unité d'IL EL. J'espère que vous avez tiré la différence. Ça marche. Avec, bien sûr, AdEL, ce n'est plus. AdEL, ce n'est plus un facteur travail. Walakin, on travail efficace. Effectif. Efficace. Et oui, efficace. Voilà, travail efficace. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, la fonction, qui est en fonction en type de coupe de glace, d'abord, on peut diviser à de la fonction LAEL. On peut diviser à de la fonction LAEL. Et nous allons trouver le résultat suivant. Voilà, on peut diviser à de la fonction LAEL. Ça marche? Donc, je n'en ai pas. Donc on a Y est égal à KEL. Donc Y sur EL, la grande Y sur EL est égal à quoi? Car la puissance alpha elle est N. Il y a la productivité efficace. La Oui. production efficace. Il y a la production efficace. Effectivement. Est égal à K sur EL. Fois
qui a la puissance alpha. sur EL, effectivement. D'où le facteur sera éliminé. Donc, Raïb que la production des travailleurs efficaces, Katsari, le K, selon la fonction coupe de glace, Katsari, le K à la puissance alpha. Le K à la puissance alpha. OK? Voilà. Alors, on a divisé par EL. Ça marche? EL. Après, EL sur EL, ça donne 1. D'où la production des travailleurs efficaces, elle est en fonction seulement du capital des travailleurs efficaces. Donc, là, bien sûr, on remplace une petite Y bleue, Y sur le rapport YEL. Et après, on remplace le K, le petit K, par le rapport grand KEL. Et nous aurons l'équation suivante. Voilà. Alors, on a Y est égal à FK. Est égal à FK, est égal à K à la puissance alpha selon la fonction de coupe de glace. OK? شوية في هذيك الحالة سي محمد، كيفاش كان هذيك كاوس ألفا؟ كيف السيفسين؟ كيفاش توصل هذيك كا على بويسونس ألفا؟ اوكي شوية يعني شوية دابا مطلوب. اشرحوا لينا، احنا ما فهمتهاش مزيان. ديمونستراسيون سي محمد. اوكي. بيان، ألوغ هنا، دونك فوالا. Donc on a, j'ai dit, سي l'équation, محمد oui c'est ça, oui c'est ça. بدا هذا من الاول حيت هذيك الثانيه Oui, effectivement, داكشي اللي غندير. وخدم بالفا ليكسبوزون والاخرى غتهبط للمقام Bien. Donc on a Y sur, donc l'équation de départ, شناهي l'équation de départ, هي Y est égale à K à la puissance alpha, yek, E, L à la puissance 1, 1 moins alpha, yek, les po A, E, E, E fois L à la puissance 1 moins alpha, et K à la puissance alpha. Après, on va diviser كلشي على او ال دونك هنايا هاد اي راه ايتيكال اكوا هاد اي راه ايتيكال اكوا ايتي سي اون فونكسيون دو كا اي او فوا ال ياك دونك اون بو ديفيزي انقسمو هنايا على او ال ابخي بارابور ا او ال فوالا EL, ça donne des 1, Rasbrana, F de K sur EL. Rochneuder, d'air une substitution. Donc, rend supposé que le petit k, qui est servi, le grand K sur EL. Ou le petit Y, qui est servi, le grand Y sur EL. D'où, ralqa que le petit y qui est servi, f du petit k. Les rois, k à la puissance alpha. Alors, e fois l à la e fois l, nous pouvons dire e fois l à la e fois l, le tout à la puissance 1 moins alpha, ou ça va nous donner 1 à la puissance 1 moins alpha. Vous savez que 4 c'est 1. Vous savez? Bent? Je trouve ce que tu as aussi. كاين ديمونستراسيون اخرى سي محمد انا صراحة انا سحب ليه قصتي شوية وصافي مازال ما سي محمد اها هي غنخليوها هكاك اسمح لي مكتوبة اسمح لي اسمح لي نعاود البوز اه وي اها وي
عندنا إيكغيك على أو إل Y sur 2L. كتساوي Oui. K à la puissance alpha K à la puissance alpha. Sur EL, à la EL. Sur EL. Darab. Oui. EL à la puissance 1 moins alpha. EL à la puissance 1 moins alpha. Allez, les deux à la EL. À la EL. كتساوي اوكي دونك ك على بوستونس الفا ك على بوستونس الفا افيكتيفمون على لا هذيك الاو ال على بوستونس الفا موان زان غتهبط للمقام او ال على بوستونس الفا موان زان غنهبط للمقام دو لي لاسين غتكون موان زان بلوس الفا وي سمح لي هذيك دابا سمح لي صيفط لافيتاسيون مشى بوستونس الفا على او ال على بوستونس الفا دونك L. لا تما غيبقى واحد اه باردون دونك قلتي E 1 دونك غنديرو باردون دونك 1 فوا E L فوا E L فوا E L على بوستونس موان زان فوا بلوس الفا وي دونك الفا موان زان Ok. Donc, donc on va K à la puissance alpha à la E à la puissance alpha. EL à la puissance alpha. Il y a des doubles petits cas. Là, la grande cas des cas à la EL. Et tu seras à EL. Il y aura des cas à la EL. Il y a des cas à la EL. Il y a K à la puissance alpha à la EL à la puissance alpha. Ok, donc on va se dire que c'est EL fois EL à la puissance alpha. On va se dire que EL à la puissance. EL à la puissance alpha fois EL. Had juge réa, t'es un échelle. EL à la puissance alpha. EL à la puissance alpha. راه تقدر دير واحد الميثود اللي هي سهله قسمتي على او ال في الجهه الاخرى هذيك او ال غتطلعها الفوق وكتبقى تلعب بالاس وغتخرج لك تعطينا ك على او ال دو تو على بويسونس الفا درتي ك على بويسونس الفا و او ال على بويسونس موان الفا على او ال ديك الاو ال غتطلعها الفوق غدير او ال على بويسونس موان زان على بوسونس الفا موان زان غيكون عندك جوج او ال واحد على بوسونس واحد ناقص الفا هذيك ناقص واحد من بعد غتعطيك ك على بوسونس الفا فوا او ال على بوسونس موان الفا حيت عندنا ديك واحد ناقص الفا كتزيد عليها ناقص واحد يعني كتمشي هذيك الواحد مع الواحد كتبقى ناقص الفا ايوا عاوتاني ديك او ال على بوسونس موان الفا غتهبطها لتحت غتعطيك ك على بوسونس الفا على او ال على بوسونس الفا هي هذيك صافي كتجمع هذاك الاس ك على ال على بويسونس الفا وديجا قلنا راه ك على ال كتساوي ك صغيره هو سي محمد من خلال هذيك الكتابه اللي كتبتيه فوق هذاك السطر فوق اخر السطر عندك شي خلل تما كاين شي حاجه تما ربما من فوق كاع من الاول فاش معاوده بحال معاوده عندك هذيك الاله حيت احنا عندنا ميتيبليكاسيون نورمالمون انا ما غاديش نقصر غير على واحد الفوق شتي الفوق ما عندك Y على OK. Donc d'abord que tu dis Y à la EL est égal à K. Il y a un casse كبير, c'est pas mal. K à la puissance alpha. K à la puissance alpha fois EL. EL à la puissance moins alpha. وي لو تو قسم على دابا هي هذيك فوالا دابا هذيك او اي لا طلعها الفوق غتحسب اوكي يعني ما طلع ما تهبط بحال بحال ما غيحيد الكسر دابا بيان ك على بوسونس الفا فوا او ال على بوسونس ان موان الفا او ال على بوسونس ان موان الفا فوا فوا
fois. Voilà, fois n à la puissance moins 1. L à la puissance moins 1. صافي دابا جمع داك الاس ديال او ال مي كيكون عندهم نفس الاساس كتجمع الاس ديالهم اييه او ال على لا بويسونس موان الفا موان الفا فوالا دابا هبط عطيني ديك او ال هبط عطيني لا بويسونس الفا سور او فوا ال تو على لا بويسونس الفا سي بيان Donc ça donne petit k à la puissance alpha. Ça fait bien. Oui. Bien. Donc la fonction de production est égale à k à la puissance alpha. Voilà. Le résultat trouvé le résultat trouvé alors on a dit que la production d'un seul travailleur efficace est déterminée par le stock du capital utilisé par ce travailleur donc la production d'un seul travailleur efficace est une fonction de stock du capital K utilisé par ce travailleur donc la figure ci-dessous représente graphiquement la fonction de productivité, pardon, de production de Solow, ainsi que la loi de rendement d'échelle décroissant. La loi de rendement d'échelle décroissant. Donc voilà le rendement chez la première séance, c'est-à-dire le rendement, l'augmentation du facteur capital. Ou est-ce qu'on a un rendement décroissant ou un rendement croissant? Ça marche. Alors après, voilà la figure. Maintenant, en flux d'ordonnée, on a la production. La production, bien sûr, des travailleurs efficaces. Et après, le cas, ou l'axe d'abscisse, on a le capital utilisé par le travailleur efficace. Le capital utilisé par le travailleur efficace. Alors, premier constat. Où est le constat? Alors, on a une fonction liée. Qu'est-ce que la production par travailleur? Donc, on a une fonction liée à croissance, constante d'augmentation du niveau de capital utilisé par les travailleurs efficaces, par le travailleur autrement dit, qui est atteint augmentation du niveau de production. Et après, on a la loi de rendement, on a la loi du rendement marginal décroissant. Je ne sais qui la productivité marginale du K1, la productivité marginale du K1 reste compte supérieure à la productivité marginale du K2 jusqu'à KP. Qu'est-ce que ça signifie? Signifie, dans un premier temps, il laisse le capital une unité. La valeur est de PMK1. Après, T2, le capital de deux unités ou la une unité. La valeur Z, la productivité, ou la production, PMK2. PMK2, il est inférieur à PMK1. Donc, il y a la loi du rendement d'échelle décroissant. Ça marche? C'est-à-dire que la productivité diminue, la productivité marginale diminue en fonction de l'augmentation des unités de capital utilisées. Donc, Bechma qui z le capital, Bechma, la productivité marginale du K diminue. C'est bien. Ah, c'est pas joué, c'est Mohamed. C'est possible. Ok. واش هذاك كا اللي كاينه في لي زاكس هي كا على او ان ديك كا صغيره ياك اه بيان سور حنا ولينا كندوي على كا صغيره واكريك صغيره دابا لقينا بلي لا فونكسيون دو برودكسيون لو بوتي كا كيساوي اف 2 بان يا ربي
Donc on a trouvé que y est égal à quoi? Y est égal à k à la puissance alpha. C'est-à-dire y, il est en fonction de quoi? Il est en fonction seulement du capital. Donc y est égal, petit y est égal à petit k, la puissance alpha. Voilà. Il y a la fonction de production. Il y a la fonction de production. Après, donc on a tracé de la fonction. On a tracé de la fonction, la fonction de production. عارفك سي محمد وي سي محمد، دابا حنا فاش درنا لا ديمونستراسيون لقينا بان لا برودكسيون ايل ديبون سولمون دو كا ولا شنو؟ حيت في الاول قلنا ايل ديبون دو كابيتال دو فاكتور كابيتال اي ترافاي وي دونك اي بلوس لو اللي ايفيكتيفو جي بيان كومبري دابا شنو دابا ولينا اون فا دابا جوست في لو ديبار في لو ديبار ليكواسيون بديناها بدو فاكتور كا اي ال Oui, c'est ça. Ah, et elle plus le progrès technique. Oui. Le progrès technique il est associé à elle ou c'est mina le travail efficace. Le raisonnement. Alors, bdinab la fonction, bad la fonction. Il y a deux facteurs, k et l. Yak. Après, chnouderna, on a divisé had la fonction bel, elle est el. قسمناها على او ال يعني ديفلوبمون ديال ليكواسيون سا مارش دونك هادي سي لا برودكسيون جلوبال ماشي لا برودكسيون دي ترافاي افيكاس لا برودكسيون دي تراف لا برودكسيون جلوبال الي اكسبليكي بدو فاكتور لو كابيتال اي لو ترافاي لا برودكسيون دي ترافاي افيكاس الي اكسبليكي سولمون بو فاكتور دي كابيتال اوتيليزي بار لي فاكتور دي ترافاي افيكاس هادشي اللي بغيت نوصل دونك ايغريك اي في لو ديبار لو نيفو دو برودكسيون ايغريك اللي يعني قبل ما ندير قبل ما نقسمه على او ال كان اكسبليكي بدو فاكتور كابيتال ترافاي ابخي فاش درنا لو ديفلوبمون جبدنا بوتي ايغريك هنا كاينه اون ديفيرونس بوتي ايغريك هي لا برودكسيون دي ترافايور افيكاس لا برودكسيون دي ترافايور افيكاس هاد لا برودكسيون دي ترافايور افيكاس اللي اكسبليكي سولمون بلو كابيتال اتيليزي بار لي ترافايور افيكاس يعني لو بوتي كا هذا داكشي علاش كنا كندويو على دو فاكتور دابا ولينا كندويو على ان سول فاكتور صافي مضحاش ولا مضحاش وي دونك عندنا دو تيب دو برودكسيون جلوبال اللي كن اللي كن كن كنخدموا فيها بلي دو فاكتور كا اي ال و برودكسيون دي ترافاي افيكاس ديال الترافايور افيكاس دابا يعني ديما نو غادي نخدمو بلا بوزيسيون دو ايزولي ترافايور ايزولي افيكاس على البروفان سي 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 فيابل يعني اول ما فهمت دونك من دابا لقدام غنبقاو نخدمو بلا فونكسيون بي ترافايور افيكاس سا مارش بوتي ايغ بوتي ايغريك و بوتي كا c'est-à-dire دابا هاد petit y égal à k à la puissance alpha, il y a la fonction de la production efficace. Effectivement. Il y a la fonction des des productions travailleurs. Ah. Ça marche. Déjà là, j'ai un seul axe. Y expliqué le petit k. Et le k, mais c'est le facteur capital. Le capital par travailleur efficace. Y, mais c'est la production. La production par travailleur efficace. Mzien? ما بقيتيش كتهضر على الترافيو عادي وليتي كتهضر على الكاسيت Alors, premier constat. Premier constat. Que la de la fonction, il s'agit d'une fonction croissante. Voilà. Ça marche. Croissante. Et, mais le rendement d'échelle, il est décroissant. Mais le rendement d'échelle, il est décroissant. Alors, je ne vois le rendement d'échelle. Alors supposons, là, on est T0. Là, on est T1. Là, on est T2. Jusqu'à T3. Et T4.
Mizien. Alors, l'augmentation. On a une augmentation du capital min T0, T1. La production par travail efficace de l'eau. Min T0, T1. Z, bêche. Z, P, M, K, 0. Après, Z, min T1 jusqu'à T2. Z, P, M, K, 1. Après, une autre unité de capital, min T2, T3. Z, P, M, K, 2. C'est la loi que je dis. Je dis que P, M, K, 0, c'est supérieur à la P, M, K, 1. C'est supérieur à la P, M, K, 2, etc., etc. Donc, c'est la zone. C'est la quelle serait la productivité marginale du capital? Zéro. Oui, zéro. Il est fouet de local et ouestard. C'est-à-dire, mabin T6, mabin T6 ou T7. Le capital ok, alors gna que flocant fais-je que tu connais la fonction de production stable, et en effet le cas, fais-je que tu connais la saturité, le max, la productivité marginale du capital, qu'est-ce qu'on zéro. Il y a l'augmentation, supposons qu'on a net T6, T6, l'augmentation. Ça, oui, P0, va-t-on constant. Non. Il a une unité de capital. Et une unité de capital. Même T6, T7, je n'aurais pas la productivité marginale. Qu'est-ce que bras 900. Il y a une productivité marginale. La production, pardon, qu'est-ce que bras 900. C'est-à-dire la productivité marginale, qu'est-ce que c'est 0. Il y a une unité de T6, T7. Ou reste le capital de unité, mais c'est la production boue. C'est le rendement d'échelle. Vous avez compris? يعني هنا يا au fil du temps au fil du temps هنا يا au fil du temps qu'est-ce qu'on a dedans une productivité marginale décroissante يعني باش ما كنزيدو كابيتال باش ما كنزيد تنقص باش ما داكشي علاش قلنا هذا لو برينسيپ ديال بي ام كا 0 كيكون كبر من بي ام كا 1 كبر من بي ام كا 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. دابا بغيت غير نعرف الفرق بينه مع لي طاستاسيون اللي كتوقف لك كرواسونس. وي احنا جايين ليها. سي محمد سي سكون ابل لو روندمون ديشيل. وي فيسيفمون راه قلنا في لو تكست اللي قبل لو روندمون ديشيل دي كرواسون فوالا. ملي كنا وصلنا لهذيك دي كرواسون. Le rendement d'échelle croissant, c'est le contraire. Fait le cas, il y a le rendement d'échelle croissant. Raf le cas, PMK0, Ratchkun inférieur à la PMK1, Ratchkun inférieur à la PMK2, etc. etc. On a un rendement d'échelle croissant. Fait le cas, il y a un rendement d'échelle constant. Les productivités marginales sont. PMK0, PMK1, PMK2, etc. Yani, on va zid les unités, on a le capital qui zid bnef la proportion. S'il vous plaît, le graphe, mzien wadh. Dabar, elle dit, wesh, décroissante ou la croissante? M'fhemch, wesh, ma rajou, l'ordre. M'fhemch. Chna yel, les décroissantes. Hadi, le graphe, hadi, kifash, hadi, nous.
حيت كاتبين الروندمون ديشيل ديكروسون. اه لو روندمون ديشيل فاش كنقولوا روندمون ديشيل كنقصدوا بيه لا بروديكتيفيتي ماشي لا برودكسيون. لا برودكسيون اي لي كرواسونت ولكن لا برودكتيفيتي اي ديكروسونت. لا برودكسيون سي لو ريزولتان. لا برودكتيفيتي سي لو فلو يعني بشحال كيتزاد لو كابيتال من بحال كتزاد باردون لا برودكسيون من بيريود لبيريود يعني شحال لي فلو ديالها ولكن لا برودكسيون جلوبال يعني كوم كونسيبت هو لو ريزولتان. ها شنو لو ريزولتان جلوبال واش كي واش عنده واحد اون كوبلي كروسونت ولا اون كوبلي كروسونت. وي سي محمد وي اللي ما فهمتش انا هو ان سولو من بين الناس اللي كيقولوا لا كروسونس اي ليميتي ولكن اكونديسيون ديال لي ميكانيزم دو جوستمون كم اللي كنلقاو هنا كنلقاو لو روندمون كاليتي ديك كروسونس ولا هي هذيك. الصراحه لا جي با كومبري. لا راه وصل واحد فواحد لو طون راه ولا ستابل يعني ما بقاش واحد كروسونس ولا هنا اعتبار هو اصلا بالنسبه على حسب الشيء اللي شفنا في الطريقه باش قد ديال سولو كيقول لك ان لا كرواسونس ايتي ليميتي ايليميتي ا كونديسيون يكون عندنا لي ميكانيزم داجوستمون وكنلقاو هاد لو روندمون دي كرواسون. هادشي اللي ما فهمتش انا لي ميكانيزم دو جوستمون دوينا 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 عليهم في لو كالدور. انا كده كان يقول لا رجعنا لا المهم على وين اللي كاين في داك النص راه شنو في لوكو لا لا كاين في لابارتي الاولى كاين في لابارتي ديميتي مي ستابل لا لا كرواسونس اي ديميتي ايتي ليميتي ايتي ليميتي ولكن لي ميكانيزم داجوستمون دابا انا ما فهمتش الميكانيزم لي ميكانيزم داجوستمون راه هو لو بروغري تكنيك هنايا بور سولو كيركز على لو بروغري تكنيك يعني غراس لو بروغري تكنيك اون بارل ولكن الا شفنا في الجراف مازال كيبان لنا الحاله ديال لا برودكسيون. لا دابا لو غراف دابا لو غراف لا برودكسيون راه كتكون كرواسونت يعني بلوس انا كنزيد بلوس انا كنزيد كنزيد لو كابيتال كنزيد فاكتور كابيتال كيتزاد عندي لا برودكسيون دي ترافايور افيكاس يعني عندي اون برودكسيون كتكون ديما طالعه ولكن لا برودكتيفيتي يعني داك يعني لو مويان الانتاجيه هي اللي كتكون في واحد في واحد لا في واحد المرحله كتولي دي كرواسونس. هذا هو لو روندمون ديشيل وهنايا راه الي كرواسون. علاش الي كرواسون؟ حيت عندنا ديك بي ام كا 0 اكبر من هذيك بي ام كا 1 اكبر من بي ام كا 2 اكسترا يعني لا لوجيك كتكون بالعكس. انا هادشي اللي فهمت الي دي كرواسون روند مو دي شي كرواسون ولا دي كرواسون دي كرواسون دي كرواسون هادشي سوا اسكو نقولو بي ام كا 0 بي ام كا 0 سوبيريور بي ام كا 1 وي 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 غدا كتنقص وي 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 يعني لا لوجيك راه كتانفيرس وي لا لوجيك كتكون انفيرس وي سي بيان سي سكو جي كومبري عرفت واش داكشي هو هذاك كتزيد فهم ما كتزيد تلف انجست على لي غراف يعني واش لو غراف بحال بحال دابا باغ اكزومبل ملي كنهضروا على على باغ اكزومبل واحد واحد المنتوج عاد خرج جديد ملي كنهضروا على داك كتكون عندنا لا بروميير فاز كتكون عقلت دوك لي فاز دو برودوي في الاخر كتكون عندي واحد لا فاز دو ماتوريتي وعاد وعاد لا فاز دو ديكلان يعني في الاخر صافي ما كيبقاش داك المنتوج كاع كيكون في الاول راه غادي مزيان لي بروفي طالعين ولكن واحد الوقيته كتكون لا ماتوريتي عاد كيكون عندي لا فاز دو ديكلا لو ما ما يعني نقدروا نقدروا نديروا ب ماركتينغ هذاك الجرافيك دابا في ماركتينغ لو سيكل دو في دو برودوي وي تقدروا تفهموا بنفس البرينسيپ ما عقلتش هذوك المراحل الاولين مي في الاخر عندي ماتوريتي ديكلا دابا هاد دابا هاد كرواسونس ماتوريتي ديكلان وي 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 لونسمون وي يعني تقدروا تديروا نفس لا لوجيك باش تفهموا الغراف هنا انا باش تفهم هذا الغراف تو سيفي انك تفرق
ما بين جوج الحوايج، برودكسيون و برودكتيفيتي، راه ماشي بحال بحال. الا شفتو لا برودكسيون بيان سور، هنا كندوي على بار ترافايور افيكاس. الا شفتو لا برودكسيون راه الى اوغمونت، يعني فونكسيون كرواسونت، يعني ما نزعدوش فيها. برودكتيفيتي الي ديكرواسونت، علاش؟ حيت عندنا لا لوا دو روندمون مارجينال ديكرواسون. برودكتيفيتي دو كا زيرو، في لو كا زيرو كتكون كبر من ديال كا 1، كتكون كبر من ديال كا 2 اكسيتيرا. ستادير باش ما كنزيد لو كابيتال باش ما لا برودكتيفيتي كتنقص، ما قلتش لا برودكسيون. حيت الا قلت لا برودكسيون غتقول لي شوف داك الكراف راه تزايدي ماشي تناقصي. سي بيان، دونك هنايا دو كونسيبت خاصك تفرقهم، لا برودكسيون ولا برودكتيفيتي. اون فوا تفرق ما بين هاد لي دو غتفهم لو كراف. وهذيك لا برودكتيفيتي هي نيت لو روندمون دي شيف. ايفيكتيفمون، اون برودكتيفيتي ديكروسونت. كاينين في لو ميم سونس. وي، برودكتيفيتي ديكروسونت. C'est-à-dire rendement d'échelle décroissant. Productivité croissante, c'est-à-dire rendement d'échelle croissant. Productivité stable, rendement d'échelle constant. Alors, la fonction, on a réécrit la fonction de production, la même chose pour la fonction de la demande. Neuf, c'est la même chose la fonction de la demande. Il faut réécrire à de la fonction. Ça marche. Yani selon la fonction de demande. Ou la, autrement dit, la demande de travail efficace. C'est bien. Alors la demande dans le modèle slow est constitue la consommation et l'investissement. Donc à dire qu'on a l'IA, hypothèse 4, il faut voir que on a dit les Y est égal à quoi? Et Y est égal à C plus I. C'est-à-dire, Hadness, qui est de la demande, soit pour raison de consommation, soit pour raison d'investissement. Voilà. Ça marche? Et bien sûr, on sait que l'équilibre toujours est maintenu sur le marché des biens et services. C'est-à-dire que toujours on a l'égalité IS, donc Investment Seven. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on peut remplacer I par S, d'où Y est égal à C plus S. Voilà. Alors, en d'autres termes, le revenu d'un travailleur efficace est réparti entre la consommation et l'épargne. Vous avez compris, Naïch Nuderna. Neuf, c'est le raisonnement. Parce que nous avons dit que nous le global, parce que la production, la consommation, l'investissement, donc Y est égal à C plus I, et on sait que I égale à S, donc on peut remplacer Y est égal à C plus S. C'est le niveau global, ou avec une part travailleur efficace, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va diviser tout l'élément bêche. Elle est elle à la EL. Donc Y divisé par EL est égal à la consommation divisée par EL plus l'épargne divisée par EL. Bien. Hénaïa, tout simplement, on remplace grand Y. Renaudo, petit y, had le y, qu'on voit le rapport grand y sur el. Après, grand c, renaudo, petit c, les racines, grand c sur el, plus petit s, les racines, le rapport grand s sur el. Voilà, c'est les dernières, c'est ça, voilà, had l'équation. C'est bien? Alors, de la fonction de l'épargne, ou de la fonction, cette fonction, est égale à quoi? Est égale à la somme, mais bien juste les choix, finalement. La donc, consommation et l'épargne. Oui, et on est le revenu de travailleur efficace, le revenu d'un travailleur efficace, qui est l'investissement de le travailleur efficace, plus l'épargne.
Ok? Alors, on a y est égal à c plus i. Donc, on peut substituer. On peut substituer la fonction de consommation. La fonction de consommation des travailleurs efficaces. 1 moins petit s, y. 1 moins petit s, y. Allez, je donne à 1 moins petit s, y. Les femmes ont été servies. Madame Soussaint? La consommation de ces femmes qui est servie. Effectivement, donc la propension moyenne, on parle en termes de propension moyenne, la propension moyenne à épargner et la propension moyenne à consommer, la somme des deux qui atteint à 1. C'est-à-dire, exprimer on a la propension moyenne à consommer petit c, là, tu suffis à indiquer la différence entre 1 la propension moyenne à épargner. Voilà, tu l'as donc on peut remplacer tout simplement y ou laisser par exemple la valeur d'y là. Normalement, had c, on peut donc écrire grande, la petite c bien sûr, on peut donc écrire la petite c fois y, mais c'est le grand y, le petit y, mais par travailleur efficace. Ok? Plus le petit s. On sait la consommation, la propension moyenne à consommer, plus la propension moyenne à épargner, petit s, plus la propension moyenne à épargner, qui c'est ouh, d'où c, qui c'est 1 moins s. On a mis jabha, donc on peut remplacer Hadi par 1 moins s. Alors, y, petit y, bien sûr. On a cool si les valeurs, les psi, en termes de travailleurs efficaces. Donc, y est égal à 1 moins petit c, petit pardon s, fois petit y, plus quoi? Plus i. Le petit i, mais c'est le grand i. Yani i, c'est l'investissement par travailleur efficace. Ok? D'abord, il y a la fonction de la demande, il y a le résultat final. Effectivement, il y a le résultat final. Alors on sait bien on a le niveau de l'investissement. Alors le niveau de l'investissement, I, qui sert? Le petit I, qui sert? Le petit S. Le petit s, qui est la propension moyenne. Donc, s'il vous plaît, on a dit le petit s, je vais le compte. On a dit le petit s. La propension moyenne à épargner fois le petit y, le revenu par travailleur efficace. Ça marche? Ou est le petit y? Alors, on a l'équation, donc le petit K à la puissance alpha. k à la puissance alpha. Donc c'est oui la petite s fk les 4 c'est la petite s fois k à la puissance alpha. C'est bien? Voilà, finalement, on peut aboutir l'aide de la représentation graphique. Alors toujours l'interprétation de l'oula, les atailles, il y a les axes. Je nous qu'il y a les axes. Alors, on a les axes, on a la production par travailleur efficace. Il y a toujours qu'un duel, le petit y. Toujours qu'un duel, le petit y. Au flax des abscisses, on a le petit k. Maintenant, le petit k, les lois capitales par travailleur efficace. Ok? Bien. Oui. Alors, on a trouvé que le niveau de production, n'importe quelle période, pour n'importe quel niveau, pardon, pour n'importe quelle période, pour n'importe quel niveau de capital, qui met quel le niveau du capital, c'est-à-dire rien.
le niveau de la production, les wahda, est la somme de quoi? Est la somme d'elle. Premièrement, la consommation. Et deuxièmement, L'investissement. 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 Les deux fonctions, production et investissement, ce sont deux fonctions, les romans. Il y a l'acto, alors il y a le sens. Allez. Allez, sur la composante. La composante FK. غير هادي هاد الانفستيسمون علاش جاي تحت من هاد علاش جاي الانفستيسمون لو نيفو د الانفستيسمون جاي تحت من لا برودكسيون علاش تو سامبلومون حيت هاد اس راه الي كوا توجور لا لي بروبريتي ديال لا ماكرو توجور كيبقاو فالابل في الموديل في ما مشيتي دونك هاد لا بتيت اس توجور راه لي كومبري اونتر 0 و 1 signifie que je vais faire f y avec un niveau inférieur à la production à la y. Le reste, où est la consommation? S plus c qui est 1. Dès que je suis à la zone, c'est la consommation. Ou à la zone, c'est l'investissement, là autrement dit, les parts. S'il vous plaît, wesh, le graphe est clair. D'où, interprétation finale, le niveau de la production par travailleur efficace est égal à la somme de la consommation par travailleur efficace plus le niveau de l'investissement par travailleur efficace. Ça fait? J'ai pas bien compris le graphe. Ok. La part de consommation elle est plus grande que la part de l'investissement. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Donc, awel interprétation, awel constant. Had le graphe, il représente quoi? Il représente la production par travail efficace. La fonction de la demande, non? Il représente là le graphe. Qu'est-ce que nous donne? Il y a la fonction de la demande. Ou avec les axes, mais qu'est-ce qu'elle représente? La production. Capital par travailleur efficace, en relation avec production. Oui, avec l'interprétation, mais là, je le sens contraire. Capital par travailleur efficace en fonction de production, c'est le contraire. La production en fonction du capital par travailleur efficace. Ça marche. Donc, awel interprétation, le graphe représente la fonction, pardon, la production par travailleur efficace en fonction du capital par travailleur efficace. C'est awel haja. Deuxièmement, on sait que la production par travailleur efficace, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la consommation par travailleur efficace plus l'investissement par travailleur efficace. Mais si là j'ai dit. D'abord, mais la période qui est la production, avec la courbe de la productivité qui est la partie de la consommation qui est la partie de l'investissement. Oui, ça dépend de la proportion. Il y a une proportion. Une proportion liée fixe. Vous avez compris. Il y a l'investissement comme ça. Ou il y a Z en fonction du temps. Ou il y a l'investissement augmente la même proportion la consommation. Pourquoi? Sujet de la proportion marginale moyenne ou la marginale moyenne, disons moyenne, à épargner. Le développement des équations, les équations autrement dit les gains développés, l'objectif d'elles, c'est de faire des représentations graphiques.
Alors, on a head le C. Qu'est-ce que c'est bien? Petite c. C'est bien 1 moins petit s fois fy ou la fk, pardon. Aide le petit i. Quel qui sert s 9, c'est s qui est l'équation de là 9 ça. Donc petit s fois fk. Vous avez compris? Donc, fais-je qu'on dire la somme des deux? La somme des deux. Y est égal à c plus i. Il a développé dans le travail fk. Hadi, de la fonction loula. Hadi. La représentation graphique d'Yelha, et il y a de la courbe. Elle dit à la production. Je n'ai la différence entre de la courbe pour la courbe les maintenant. Ah, c'est la même chose. La même courbe. Sauf si elle n'a fait la consommation ou l'investissement. C'est bien. Elle dit. C'est le niveau de production. Si Y, bien sûr, la production par travailleur efficace. Ça marche. C'est le niveau de production par travailleur efficace. D'abord, agir le découpage. Agir aide la production par travailleur efficace. Les revenus par travailleur efficace. L'investissement. Ou la consommation. Le niveau d'Y, le petit Y, le revenu par travail efficace, la production par travail efficace, les RMC, la consommation, ou est le résultat? Ou est la distance? Ok? Où est la distance? Est la distance chenille. Il y a la différence. Il y a C. Il y a la consommation, autrement dit. Et il y a le C. L'IKCOI, la différence, mais bien Y ou l'investissement. Ça marche. Donc, le niveau de la production, le niveau de la production, il est derrière l'équation. Had FK naqis la pardon had FK naqis SS de FK chala tatena. Je sais que c'est compliqué mais maintenant la solution. Donc on a j'ai dit que le niveau de consommation ou la différence mais bien Y ou OI. On sait que Y ketsawi FK ou I ketsawi petit S FK. Alors, il a simplifié. Il y en a 1 moins petit s FK. Hadi, la propension moyenne à épargner. La propension petit s, la propension moyenne à épargner. Plus la propension moyenne à consommer. Chala atteindre. Wahed. Wahed. Donc, le petit c, chala réussir, oui. 1 moins S. C'est dit pour ne pas les valeurs. Elle est simple. Effectivement, il y a la courbe qui se bat. Les valeurs de l'équation, il y a un C qui est 0,7 ou S qui est 0,4. Le niveau de le revenu qui est la consommation, mais le niveau qui est l'investissement. Donc là, ça donne un petit C fois FK. Donc, Hadi, c'est quoi? Hadi, c'est la consommation ou l'investissement qui sert au petit C, petit S, pardon, le contraire, fois FK. La somme des deux qui atteint FK, les ou Y, signifie quoi? Signifie, le reste, le reste, de la consommation, min Y, reste, qui est là, l'investissement.
Bien sûr, la propriété, le rendement décroissant et les restes. Il y a qu'à se voir à 900. Ça marche. Le واش rendement دابا décroît. من هاد لاكور ممكن نعرفوا لو نيفو ديال هادوك لي بيي Et le niveau de l'élèche? نيفو دو في مثلا بالنسبه لا كروسونس واش هذيك حيت ملي كتكونسوم ملي كتانفيستي كثر يعني راه كاين واحد لو نيفو دو في اللي Important. هو تري امبورطون وي Oui. Oui, je suis d'accord. يعني هنا كيتحكموا في بزاف الحوايج يعني سا ديبون دو ليفيكتيف سا ديبون دو لا بوبولاسيون سا ديبون بزاف الحوايج يعني ماشي كاين بليزيور ديتيرمينون C'est bien, s'il vous plaît, le graphe. Ouais, le graphe, ouais. سي محمد بالنسبه لهاد لا فورميل Mmh. واش هي باش كنحدد لانفستيسمون بار تيت ايكيليبري Là. حيت في واحد ليكزامان عطا ديتيرميني لانفستيسمون بار تيت اون ايكيليبر L'investissement par tête en équilibre. وي واش بهادي اي كتساوي اس فوا اف دو كا ولا لا Je pense que non. Qu'elle a une autre équation. Non, je عييت ما نقلب انا ما بانش ليا شي non, non, qu'elle a شي fait le résumé. Je vais te dire comment qu'elle a. نقدروا نخرجوا منها اي. حيتاش فاش كنديو على ليكيليبر خاص نسيبوزيو بلي عندنا لي تاستاسيونير ياك هو دابا في ليكزام واحد دقيقة في ليكزام عطاهم كوب دوغلاس فونكسيون ديال كوب دوغلاس عطاهم الفا وعطاهم الاس وديبريسياسيون و ان و جي قال لهم في الاول ديتيرميني لا فالور ديال الكابيتال بار يونيتي دو ترافاي و دوزيامون ديتيرميني لانفستيسمون بار تيت اون اكيليبر Oui, elle est quand même fonctionnelle. Et واحد l'investissement par tête en équilibre, qui est la dépréciation du capital, plus le G, plus le N, fois le niveau de capital. L'investissement en ملي كيولي équilibre, لا كروسونس غير هذاك فالك لوكالي غاتينتا, نورمال et qui est la dépréciation, plus G, plus n يعني في ليكيليبر يعني كندوي على تا ستاسيونير سا مارش بلس ملي n كيولي لا هذاك لا كروسونس دافون سي ايتيغال لا كروسونس فوالا اسمح لي نقلها سي محمد اه الله يرحم والديك انا احنا جايين ليها من بعد يا راه كاين واحد الكراف اللي تحت غادي لتحت غادي نلقاها ياك اه كاين واحد واحد الكراف اللي تحت هنا يا نيس اه وي كاين من تحت ممكن تسمى هذه دابا الاكسسوار Le niveau de l'investissement في l'état stationnaire. Allez, mais j'ai bien amené, non? L'état stationnaire, في la situation d'équilibre, a de la variation du cas, c'est zéro. Yak, c'est zéro. Et après, il y a le niveau de l'investissement d'équilibre. Et après, qu'est-ce qu'on remplace, qu'est-ce qu'on rejette du gel, quoi. هذا سي لو كابيتال في لو كا ديال ليتا ستاسيونير يعني في لا سيتياسيون ديكيليبر لو نيفو كابيتال ماشي لانفستيسمون سي فاسي ندويتي على هذا مازال واحد الشكل من تحت نهبط اه تما فوالا هي هاد اللي قلت لي فوالا هي هاد لو بوان هي هادي صافي شي جواب واخا سي محمد الله يرحم والديك سي راه سوفي تفهم راه زعما ماشي شي حاجة بس كيقول لك كيلي بس لي طاساسيون فاش كيقول لك كيلي نعم ملي كيقول لك ملي كيهضر لك على لي كيلي في الانفستيسمون وي يعني كيهضر ايفيزيمون على لي طاساسيون داكشي علاش قلت لي راه ماشي هي زعما اس فوا اف كا حيت هنايا ماشي في لي طاساسيونير
فلوسيتي يعني خصك تبدا من لا فاريسيون ديال كابيتال كتساوي زيرو وتحاول تجبد اي شحال كتساوي. دونك حنا جايين هاد لي طاس ستاسيونير و Voilà. Alors d'abord, s'il vous plaît, vous avez comme des questionnaires avant de jouer la partie de l'état stationnaire. D'abord, avec l'examen, غادي نفهمو مزيان ملي نخدمو شي اكزام. غادي ولا اكزيرسي غنفهمو مزيان. اوكي حنا جايين لي زيكزام. Oui, je sais que ça. Allez, je vais te faire un peu de temps. Pardon. Ok. Donc voilà. Il a quand même deux états stationnaires. Donc le stock du capital. Donc d'abord, l'état stationnaire, je vais vous dire l'écologie, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on cherche, autrement dit. On cherche là, donc quand on parle de l'état stationnaire, une économie, elle est en situation d'état stationnaire, ça marche. Une économie, une situation d'état stationnaire, mais il y a. Le taux de croissance négatif ou là pardon le taux de croissance l'état stationnaire l'état stationnaire signifie le taux de croissance radio là l'état stationnaire c'est une dépression le taux de croissance radio qui a des valeurs négatives donc quand on fait la différence d'autres croissances les moins négatifs il y a le décroissance par pas contre le concept de l'état stationnaire c'est à dire quoi c'est à dire un taux de croissance qui est nul tout simplement mais je me suis dit que je n'ai pas une production fin de la période non voilà la production qu'on a fait elle est la même à ce qu'on a fait l'année précédente et quand on fait la différenciation il y a la variation, le taux de croissance, variation PIB de T moins PIB de T moins 1. Si le PIB de T égale au PIB de T moins 1, donc la différence, la variation, elle atteint 0. De le taux de croissance est nul. Donc, état stationnaire égale taux de croissance nul. Yani, la production réalisée une période, elle est la même que la production réalisée une autre période. يعني واخا كتزيد لا برودكتيفيتي ما كيبقاش واحد لا كروسونس كتبقى بحال ستابل ومهما تكون مثلا لي بي كتختال في مثلا في لو نيفو ديالها في كروسونس واحد الوقيته كلشي كيتقد وي على حسب لا سيتواسيون دونك نيف لا كومباريزون سي سي اوتر هادشي اللي شرح لنا البروف هادشي شرح لينا قالك بحال الشكل ديال واحد المهم صراحه بواحد السونس اللي غادي واحد متسابق كيجرو مثلا في واحد الحلبة الاول غادي يوصل واحد الوقت ولكن المهم كاينه واحد مثلا داك خط الوصول كلشي غادي يوصل ليه سواء كنتي معطل سواء كنتي زربان وي يعني كاع لي بيي راه عندهم هاد الطريقه بهاد الوصول وي فيتيمون يعني سينيفي كوا سينيفي كي كل كي كل كو سوا لي كاركتيرستيك بيرسونيل كي كو سوا لي كاركتيرستيك ديال لي بيي كيوصل لواحد لو بوين كيولي كيبقى ستابل وي كيولي لا ساتوراسيون يعني n'importe quel pied qui m'a bravo icono les caractéristiques d'hier yani personnel d'hier individuel d'hier qui m'a bravo qu'on la structure de l'économie d'hier aura toujours un doigt le point de saturité mais qu'un gauche blira un pied une bonne exploitation des facteurs de production aura toujours qu'à atteindre des facteurs de production les hommes croissantes non toujours que ça tenait des productions les hommes croissantes ou alors il faut pas oublier blif un certain moment un point de sensibilité un point f
fait la valeur de la production qu'elle sera stable. Mathématiquement, on dit que la variation est égale à zéro. Oui, la variation de PIB, autrement dit, égale à zéro, on cherche un mais plus particulièrement le capital. Et comment, qui fait la variation du capital dans l'état stationnaire? Chaque c'est oui, ou chaque c'est le capital dans l'état stationnaire, qui fait la variation de l'eau augmente ou évolue dans le cas de l'état stationnaire. Et quand on a la même valeur de production, la même valeur de production, T plus 1, T plus 2, T plus 3, qui fait comment peut-on déterminer le niveau de capital? C'est le souci. يعني واحد البي كي يحقق نفس لي فالور دو برودكسيون شحال خصو يعطي في هذيك لا برودكسيون الفاكتور كابيتال ولا شحال خصو يستعمل كوم فاكتور كابيتال اوترومون دي سي بيان. alors le stock de capital est influencé par deux éléments à savoir l'investissement et la dépréciation de capital. donc il m'a qu'à savoir que le stock ça je dis comme qu'il la variation c'est le stock. L'intégrale, c'est un stock. Les dérivés, ce sont des flux. Les dérivés, ce sont des flux. Parce qu'on voit que la dérivée partielle d'une fonction, elle est négative ou la positive, c'est de quoi? Elle est elle a le sens de direction. Elle est le flux. Ça marche. Voilà qu'il fait qu'on voit que l'intégrale d'une fonction mène un point A à un point B. Hein? On parle de quoi? On parle de le volume, de la masse, ou de la masse. C'est un stock. C'est la même chose en arrière. La variation du capital est un stock. Ça marche. Ou le stock du capital, il est déterminé, il est influencé, autrement dit, par deux éléments. Le niveau de l'investissement et la dépréciation du capital. Ok? J'ai hâte. Donc la variation du capital est égale à I moins la dépréciation du capital. Alors, le cas d'un état stationnaire, de la variation, le niveau de capital consacré à la production de la période T et T plus 1, normalement, vu que on a la même production, parce qu'on a la même valeur de du capital. Neuf, la valeur du capital. Il est quand on a neuf, la production, le même niveau de revenu, la période T, T plus 1, T plus 2, T plus 3, etc., etc., on parle de même niveau de quoi? Normalement, c'est-à-dire on est dans le cadre de l'état stationnaire. Un état stationnaire, donc Naya, il faut consacrer le même niveau du capital à la production les mêmes périodes. Et en c'est le niveau du K, T plus 1, T plus 2, etc. etc. Ça marche. Et Naya, on parle de l'état stationnaire. On parle de l'état stationnaire. Ça marche. Donc j'ai dit que le cas de l'état stationnaire, la production, elle est la même, quelle que soit la période. Voilà, la production, elle est la même, quelle que soit la période. Et vu que la production elle est expliquée par un seul facteur, le facteur il doit être financé normalement, il doit être financé par la production, et la source elle est stable, le capital, le financement, le facteur est stable. D'où le capital KT plus 1, qui est servi K de T. La variation est à 0. Signifie quoi? Signifie qu'on a une égalité investissement et dépréciation. Il y a une égalité investissement des dépréciations. Ça marche. Donc, la variation de capital, elle est, que c'est oui, zéro. Alors, une économie, il y a un état stationnaire, ne peut pas connaître une croissance. Voilà, que le taux de croissance d'une économie, l'effet à l'état stationnaire est égal à zéro. En revanche, une économie qui ne tient pas tant forcément vers lui.
دي بروغري تكنيك ما بقاش عندهم واحد ليفيكاسيتي ولا هكا صافي. J'ai pas compris ça là. دابا واحد الوقيته داك لي بروغري تكنيك وداك الشيء لي نوفاسيون اللي كنا درناه وداك الشيء ما بقاش عنده واحد بحال باش عنده واحد المفعول صافي بحال الساتيره. مش ما بقاش عنده مفعول حيت الا ما كانش حيت الا ما كانش عنده مفعول راه غيعطيني اون برودكسيون نول. هي لا برودكسيون راه ماشي نول، لا برودكسيون راه غير حيتاش نفسها نفس ديال لا بيرود اللي قبل منها. دونك هذاك الشيء علاش كندوي ريتا ستاسيونير، ماشي حيتاش ما عندناش برودكسيون ما نتجناش، نو نتجنا، ولكن اون لو ميم نيفو كو لاني بريسيدونت. مزيان لو ميم نيفو دابا شنو هو لو فاكتور لي ريسبونسابل على هاد لا نوت هادي؟ لو ديتيرمينون زعما ديال لي ستاسيونير. اي بغيت نفهم فيها مزيان هادي ستاسيونير باقي بغيت مازال نفهم فيها علاش، لان هو اكزاجير عليها بزاف. اوكي Alors j'ai dit que taux de croissance sur la période 1, taux de croissance sur la période 1 inférieur, mais c'est égal à 2,3. Après, j'ai le taux de croissance sur la période 2 égal à 1,3. Taux de croissance sur la période 3 égal à 0,7 mesela, etc. Maintenant, ce n'est pas une anamadnesh, ce n'est pas un état stationnaire. La machine est stationnaire. Non, on a un déclin. On a un déclin. La croissance radio casse la. Ce n'est pas machine état stationnaire. Objectif. Machine état stationnaire. D'accord. L'état stationnaire, le taux de croissance, il est calculé par quoi? Il est calculé par la variation de deux revenus sur le revenu initial. Ça marche? Donc, le rapport reste à 0 quand il a quand la valeur, la variation de Y égale à 0. Égale à 0. C'est-à-dire, deux périodes différentes, T0 et T1, maintenant, la même production, c'est une Y prime. Et en même temps, on la période de 2020, c'est 2021. Donc, on a le même Y prime. Ce qui on n'a pas produit. Ce qui veut dire oui. Effectivement. Donc le même résultat. Le même résultat. Mais qui a un échelle T1 taux de croissance égal à 0. Mais qui a un échelle la production. Ou la loi de rendement décroissant. Ou la exploité les facteurs de production. Non. J'ai exploité. J'ai produit. La production elle est la même. Mais tu vois le par rapport à la réalité. Rester dans le même niveau. Oui. Donc, si, maintenant, je vais dire à l'égal comme le prof que n'importe quelle économie qui m'a la structure d'IALO, d'Aïman réagit le jour, les rassemblements sont stationnaires. Je vais dire que je croissant, 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 croissant. وكيبقى في كل شهر نفس المبيعات اللي كيبيع في الشهر الاول كيبيعوا في الثاني، يعني ما كاين لا زياده لا نقصان. ايفيكتيفمون، ولكن هادشي ما كيعنيش باللي ما باعش ولا ما نجح ما 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 ربحش، ربح ولكن ربح با نفس الحاجه اللي باع العام اللي فات. ما كيتزادش عليه. ايفيكتيفمون، هذا هو الادله الاستاسيونير. سي بيان. وي بيان. Merci.
Alors, à l'état stationnaire, l'état stationnaire, la variation de capital est égale à 0. La variation de capital, que c'est 0, signifie quoi? On sait que la variation du K est égale à l'investissement moins la dépréciation de capital. Le cas de l'état stationnaire, la variation de K égale à 0, signifie que les I égale à la dépréciation de capital. Signifie l'état stationnaire, le niveau de l'investissement fait de l'année, il est totalement détruit la même année. Vous avez compris? Il est quand l'état stationnaire, dès que chili qu'un investisseur de l'âme, qu'un seul coquin me fait l'âme. Ça marche? Ou le de la production, le réactionnaire de l'investissement fait de l'âme, de l'investissement, de la production, le de l'investissement fait de l'âme, maintenant, quand j'ai un autre niveau de capital. Les règles qu'on a déjà un autre investissement T plus 1, les règles D3, les règles dépressant totalement la même période, T plus 1. Vous avez compris? L'état stationnaire, la variation du capital est égale à 0, c'est-à-dire le niveau de l'investissement est totalement déprécié la même période. Ok? Alors, dans ce sens, quel que soit le stock du capital de départ, qui me braille le capital de départ des économies. Alors, les économies, ils vont arriver le jour de l'état stationnaire. Ça marche. Donc, cette dernière est l'équilibre de long terme de l'économie. Donc, l'équilibre, quand on parle du long terme, et même sur le court terme, on parle du long terme de l'économie, l'équilibre de l'économie. Alors, pour déterminer l'équation du capital de l'état stationnaire, nous allons prendre un seul travailleur efficace. Un seul travailleur efficace. En effet, le capital par travailleur efficace grand K et le capital global K, pardon, le petit K, et le capital global K, le grand K, divisé par le nombre de travailleurs efficaces. Donc la variation de l'aide de K, en attendant la variation de l'élément K. Et après, on possède les calculs. Ça marche? Bien. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la question. On est chez le bon. On cherche à évoluer le capital, bien sûr. Oui, et Évoluer. voilà qu'il y a يعني a évolué capital, يعني كنقلبوا على بشحال le l'évolution, le taux de croissance du capital, l'état, le cas de l'état stationnaire. Ça marche. Le taux de croissance du capital, le cas de l'état stationnaire. Alors j'ai dit que le capital par travailleur efficace, petit cas, K, oui, le grand K, le niveau de capital divisé par EL. C'est-à-dire, toute variation du capital, toute variation de LHK, à certain âge, la variation, une variation du capital par travailleur efficace. OK? Alors, de la variation du capital divisée par rapport à K, ou la divisée par K, autrement dit, on est basé sur le taux de croissance. هنا غنحسبو تخوا ديريفي غنديرو ثلاثة ديال لي ديريفي شنو هما لي ديريفي alors premièrement on va dériver ديريفي par A par rapport à ولا K par L ولا par E deuxièmement par rapport à E et troisièmement par rapport à L ça marche le capital d'état stationnaire donc c'est la variation du K voilà alors l'évolution de l'aide pour décrire l'évolution c'est la somme des trois dérivés premièrement j'ai dit la dérivée par rapport à K la dérivée par rapport
à E et finalement la dérivée par rapport à L. La dérivée par rapport à K, la dérivée par rapport à E et la dérivée par rapport à L. Alors la dérivée, le petit k, la dérivée, le petit k, les ou le rapport KEL par rapport à K, fois la variation du k, plus la dérivée, le petit k, les ou le grand KEL par rapport à E, fois la variation de E, et finalement plus la dérivée, le petit k EL sur par rapport, pardon, à L, fois la variation de L. Mzien, l'équation d'Yenna. Alors, d'abord, on doit oublier les dérivés. Donc, le dérivé loul, la dérivée d'Yelhadi par rapport à K. D'Yelhadi par rapport à K. Cela est un. Donc, K sur EL, il y a K fois Wahda de la EL. Il est maintenant la dérivée d'Yelk à la EL par rapport à K. واحد على ال واحد على ال ولا علاش حيت كا على ال كيساوي كاف واحد على ال فاش غدير ديريفي بارابور غتعطيك واحد واحد فوا واحد على ال دونك غتعطيك واحد على ال بيان سور فوا دلتا كا دلتا كا بلس La dérivée d'Yelhadi par rapport à E. La dérivée d'Yelhadi par rapport à E. Donc, elle est là, quelque chose. Flamé, la dérivée par rapport à. Il faut la fonction de la courbe d'indifférence. X, qu'est-ce qu'on lui dit d'Emen? Alors, je ne connais qu'un dire. La dérivée de l'oula. La fonction comme là, qu'est-ce qu'on lui dit le signe. Yek. Ou quand on a la dérivée de l'élément, la dérivée de l'élément, le dérivé, elle est là. Yani, la fonction de l'élément carré. Elle est dérivée partielle, dérivée seconde. Le dérivé de l'élément, ou là, le signe avec le os de 2, la moins 2 fois, fois k, elle a e, el, fois l, ou elle a une e cette fois-ci, à la puissance 3, etc. etc. Donc, on a dérivé ouais. Donc, est égal à quoi? غتساوي شحال؟ غتساوي موان كا على لو كاري فوا ال فوا فوا لا بوسونس دو ال وي فوا لا فارياسيون دو او بلس لا ميم شوز غير هنايا عوض ما نديرو بارابور ا او غنديرو بارابور ا ال دونك موان كا Elle a E fois L L à la carré, variation de L. Ok? Alors, simplifie. Alors, la variation de capital, Hadi, chaque que c'est. I ناقص ديبريسياسيون I موان لا ديبريسياسيون دو كابيتال دونك هادشي كامل ديفيزي باغ او ال بلوس ولا نديرو موان دونك كنا هنايا فارياسيون ديال او ال باش اون تيرم دو تو دو كرواسونس نقدرو نقسمو على او دونك غتعطينا موان كا Pardon, dernier moins, donc on dit le K. Elle a E, L, fois la variation de E sur E. C'est quand même les parenthèses aussi, Mohamed.
كارتوزيان بلس ولا موان؟ K sur E fois L le tout fois variation L sur L. Bien. Alors, on a donc des propriétés que nous avons fait faux. Des propriétés de Osnofouk. Donc la variation de L sur L, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? N. Et le taux de croissance de la population. La variation de L sur L, qu'est-ce que c'est? N. Ou Edna. La variation de E sur E, qu'est-ce que c'est? G. Il y a le taux de croissance du progrès technique. Donc, on a classé des taux de croissance plutôt. Hada, il y a le progrès technique, on a noté G. Ou Hada, il y a la croissance de la population, on a noté N. Ok? Après, est égal. Donc, il est donné le niveau de l'investissement divisé par EH. Je vais atteindre l'investissement par travailleur efficace. Le petit i. Ça ferait mal. Le niveau de l'investissement i. Il a qu'à les travailleurs efficaces. Je vais atteindre le petit i. Fois la dépréciation du K à la EL. Hadi, la variation de E sur E. Gnaye G. Donc, à l'atena, moins pardon, on a qu'un moins. Voilà. Je n'ai pas de le moins. Je suis froid. Donc, on a un petit mot à l'éliminer. EL, I divisé par EL, moins la dépréciation de capital divisé par EL. La I sur EL, il y a le petit I. Investissement par travailleur efficace. La dépréciation de capital, elle est EI. Elle est EL, pardon, I est. Voilà. Et après, moins le G fois K sur EL K sur EL. Ok, moins donc la variation de L sur L, le taux de croissance de la population, l'iréatena K sur EL fois ouais. Fois N. Voilà. Finalement, هنا الى لاحظتوا عندنا واحد العامل مشترك شنو هو؟ هو ك سور او ال. هذا ك سور او ال ك سور او ال ك سور او ال فوا لو تيرم ديبريسياسيون بيان سور. يعني غنخدم هنا بالفاكتوريزاسيون. ايفيكتيفمون فاكتوريزاسيون. الوغ لا فاكتوريزاسيون ديال هاد لي زيليمون grâce à tena que la variation du k qu'est-ce que l'investissement par travailleur efficace moins donc on a mis le moins dire on calcule la dépréciation plus g le taux de croissance dit le progrès technique plus n le taux de croissance de la population fois le K sur EL. Alors K sur EL, je sais qui c'est le petit K, capital par travailleur efficace. Le petit K. Alors,
La variation du capital, qu'est-ce que c'est l'investissement, moins la dépréciation, plus G, plus N, fois le K. Capital par travailleur efficace. OK? Donc, il y a la variation, l'évolution de quoi? L'évolution du capital fléta stationnaire. Ça marche. Donc, d'ailleurs, aide le i, alors on peut le remplacer de s fois fk. Donc, il a brillé x beau l'équation en termes de fonction de production. Ça marche. Alors, elle dit la variation du capital. Mais c'est la variation du capital fléta stationnaire. Elle dit la variation du capital. Et le cas normal, elle a qui varie le capital. Ça marche. Et le cas normal, voilà. هذه هي ليكواسيون اللي نقدر نستعملها باش نحسب لو لا فاريسيون دو كابيتال. اما لا فاريسيون دو كابيتال في لتا ستاسيونير راه اون سي بلي كتساوي زيرو. سي فو بلي واش فهمتوني؟ الوغ الا كنقلب الا قلت كو لا فاريسيون دو كابيتال في لتا ستاسيونير كتساوي زيرو اي جو سي que l'évolution du capital, le cas normal qui c'est oui, aide le i moins la dépréciation plus g plus n fois le cas. En ailleurs, on aide l'équation pour calculer le niveau de capital de l'état stationnaire. Donc, il y a la condition de l'état stationnaire. La condition de l'état stationnaire, il y a la variation de capital égale à 0. Ça marche. Donc, en tant que je vais supposer بلي هادي راه ايكال ا زيرو pour trouver la valeur ديال الكابيتال في طاسه سولير. Vas-y, s'il vous plaît, مسح هاد لي لا فوي. ما انا ما فهمتش عاوتاني. بغينك تمسحها ومبغينكش تمسح العقل ديالنا. واش شوف الأستاذ واش فهم ولا لا؟ راه مشكل مع البروف. صعيب باش تقنع هو بلا ريبونس ديالك. وانا داك البروف راه صعيب باش تقنع بداك لا ريبونس ديالك. إذا درتو السي إم كان يكون أحسن، أما شي بعدا هي اللي غادي تحكم. صراحة لا ما عرفت، مي هنايا ليسونسيال هو خصك تفهم. إيه قلت لك زعما حنايا راه غادي معاك كنفهمو، ولكن مش الأستاذ هو اللي قلت لك المشكل دابا في البروف هو اللي خصو يفهم، ماشي حنا. يفهم بأن حنا راه ما فاهمينش أصلا. ها تجي هذا برسينيش يلا بيك نقولها. دابا سيدي في بيس يقولوا لي راه ما فهمناش. لا ماشي ما فهمناش، ادخل معقد هذا الشيء. دابا المشكل ديال البروف صعيب باش تقنعو بلا ريبونس ديالك، الا عطاك كيستيون ديريكت صعيب باش تجي على كانت ولا تعطيه داك. اما بالنسبه للسي سي ان السؤال باش تفهمو تجاوب هكا راه خصك يقدر يكون عندك الريبونس، ولكن انت السؤال ما فاهمه ولا الريبونس عندك، ولكن كيفاش تجاوبي ما تعرفيش. خاصة هاد لي كيسيون ديريكت كون شوية حنا هما موالفين ديما لي زيكزام غير كيسائل ماشي لا لا شوفي لا جهاد ماشي قضية ما فاهمينش. راه شوف راه كنحضرو عنده العقلية ديالو كيف دايرة. صعيب باش تجي على كانتو، صعيب باش تجي ليه على كانتو وتعطي داك لا ريبونس اللي هو غتقنعيه بلا ريبونس ديالك. واش فهمتو ولا لا؟ وي وي فهمنا. ان تو كا يفو كي بخا نديرو اللي بروفيسور علينا يفو ريسبكتي نديرو اللي علينا فوالا اسونسيال. دونك سي بلي لا ما فهمتوش نعاود.
نعاود انا الصراحه بغيت تعاود اذا كان ممكن عيطيش بيان سور. دابا لوبجيكتيف من هادشي كامل شنو هو؟ هو خصني نلقى لا فالور ديال الكابيتال في لي ستاسيونير، شحال كيساوي لو كابيتال في لي ستاسيونير؟ مزيان. إلا قلت لك لو كابيتال في لي ستاسيونير غتقول لي أول حاجة بعدا شنو كنعني بلي ستاسيونير بنيس أون تيرم دو كابيتال، هي لا فارياسيون دو كا كتساوي زيرو. مزيان. غتقول لي أعطيني بعدا شحال كتساوي لا فارياسيون دو كابيتال، هاد فارياسيون كا ياك، باش أنا نسيبوزيها كتساوي زيرو. باش منها نجبد لو كابيتال في تاساسيونير. هادي هي لا ديمارش اللي حنايا غاديين بيها. سا مارش. يعني في لوكا نورمال بعدا، في لوكا نورمال شحال كيساوي لا فارياسيون دو كابيتال، فوالا نلقاوها شحال كتساوي، و ابري نديرها نسيبوزيها كتساوي زيرو باش نعطيك لا فالور ديال لو كابيتال في تاساسيونير. هذا هو هي غادي ديك لا فورميل الاخرى اللي وصلتي ليها، هادي غير ديمونستراسيون اللي درتي دابا، ديك لا فورمول الاخرى اللي كاينه هي غير باش تخدم. ايفيكتيفمون هادشي دابا ديمونستراسيون، غير كنوجد لا فورمول باش غنخدم هذيك لا فورمول اللي غنسيبوزيها كتساوي زيرو، باش منها غنجبد لو كابيتال ديال الاستاسيون. شي هاد ديمونستراسيون ما مطلوبينش منك، هاد ديمونستراسيون ما مطلوبينش، غتمشي لا فورمول الاخرى. الا كانت لا كيستيون، الا كانت لا كيستيون donnez-moi مثلا la valeur du capital de station ولا montrez la valeur du capital راه تقدر ما ديرش هادشي كامل، غدير غير la variation du capital كتساوي مثلا l'investissement fois la depreciation plus g plus n fois k، ولكن غير باش تعرف منين جات درت هادشي. يعني هو مثلا غادي يعطينا هذيك لا depreciation شحال، غيعطينا القيم ديال هادشي. لا فوالا هذا هو، هذا هو الكلام. Le problème est l'attaque la variation de k égale à 0, donnez-moi la valeur du capital qui est stationnaire. Et d'ailleurs, c'est que je suis là. Et je ne sais pas si la formule ou que je vais donner k, je vais donner k. وي لا عطانا دوك القيم، يعني لا ديبريسياسيون شحال كتساوي، جي شحال كتساوي، ان شحال كتساوي، حنا كنمشيو نخدمو في هذيك اخر فورمول ياك، كنعوضو صافي وكنحسبو. Mais il est maintenant sur le client, c'est-à-dire démonstration de l'eau. Effectivement. L'exemple d'hier, on a des valeurs. Des valeurs de G ou K, où il faut que l'investissement dans l'état stationnaire, il le capital qui est dans l'état stationnaire, il faut le taux de croissance de l'indien, etc. Voilà, c'est où le... Oui, là, tu as des valeurs, on dit, il y a des formules, on a appelé les alchimies, ça fait bien. On a un autre, je suis cher. On dit que c'est là. Il a, il a, tu as des valeurs. Il a, oui, il va faire démonstration, non. ça sera difficile. Mais je suis gars, juste une petite démarche. Qu'est-ce que l'objectif nous paraît nous ça fait. Qu'est-ce que vous avez mal à remplacer les connaissances liées, comme les modèles, les chemins, etc. Je suis gars. D'abord, on a les mêmes choses. Je dis que l'oulani est bachudina. Ok. باش قسمنا على او ال باينه، يعني قسمناهم كلهم على او ال، قسمنا ك و ال و او، ولكن الاولاني ما كتبتش. اوكي هانتوما هنايا درنا لا فاريسيون دو ك، ك هذا بعدا ك بيان سور، انا كنسيبوزي بلي راكم عارفين بلي هاد لو ك راه سي لو بوتي ك، لو كابيتال بار ترافايور افيكاس كيساوي لو كرون ك ديفيزي بار او ال. الا قلت لك فاريسيون ديال هاد لو ك شنو تعطينا؟ غتعطينا فاريسيون ديال هاد لي كومبوزونت كاملين، فاريسيون ديال هاد لي كومبوزونت كاملين، لي فاريسيون ديال هاد لي كومبوزونت كاملين في لوكا كونتيني، باش غنحسب كيفاش غنكابطيوهم، غنكابطيوهم بلي ديريفي، يعني غندير لا سوم ديال لي ديريفي باغابوغ كل كومبوزونت. فوالا داكشي علاش درت هادي لا فاريسيون دو كا كتساوي شنو؟ بروميرمون هنايا سي لا ديريفي باغابوغ كا، هنا c'est la dérivée par rapport à E. Pardon, par rapport à E. Finalement, c'est la dérivée par rapport à E. Chaque facteur qui a dit la dérivée de E. Effectivement. Donc, chaque facteur qui a dit la dérivée de E par rapport à E. Donc, E par rapport à E, par rapport à L, par rapport à K. Ou qu'il n'y a pas la variation de E. Donc, il y a la dérivée par rapport à K fois la variation du capital. Il y a درت لا ديريفي باغابوغ ا او فوا لا فارياسيون دو او، اي فينالمون لا ديريفي باغابوغ ا ال فوا
la variation de L. راه كاين اللي عنده باقي مشكل ديال الاشتقاق ما كيعرفش يحسبو كاين اوكي هادي في الاول لا ديريفي بارابور هكا هنا فين كاين في البسط ولا في المقام في البسط هو هذا ياك دونك لو ك ديريفي ديال ك سور او ال بارابور ا ك شحال كتساوي هادي سي ك فوا واحد على او ال دونك هاد لو ك ديريفي بارابور لي شحال عيطينا واحد غتبقى واحد على او ال هي هادي فوالا واحد على او ال مزيان مزيان بيان سور فوا لا فارياسيون دو كابيتال هي هادي نفسها ابخي عندنا لا فارياسيون ديريفي بارابور ا او مزيان الوغ نجيو عندنا ك على او ال بغيت نحسب ديريفي بارابور ا او ك على او ال دونك ك سور او فوا ال بغيت نحسب ديريفي بارابور ا او هنا او فين كاين في البسط ولا في المقام في المقام دونك هنا شنو ماشي بحال المره اللي فاتت صافي كومبري دونك هنا باش كنديرو لا ديريفي كنشونجيو لو سين دونك هادي سي ا لا بويسونس كوا ا لا بويسونس كوا نعطيكم نعطيكم فورم نعطيكم قاعده كاع باش تاخدوها تيل كيلي الوغ الا بغينا نديرو ديريفي بارابور ديال ا سور بي فوا اكس ا لا بويسونس ان بغينا نديرو ديريفي بارابور ا اكس باش تاخدوها قاعده اون جينيرال شحال كيساوي هذا ديريفي بارابور ا اكس كيساوي موان ان ياك فوا ا سور بي اكس على لا بوسونس ان موان بلس ان باردون ان بلس ان ماشي موان ان حيت كون كانت في البسط غنديرو موان ان ولكن حيت كاينه في المقام غنديرو بلس ان سيل فوبلي واش فهمتوني مزيان هادشي اللي غنديرو شفنا في لا ميكرو وي ايفيكتيفمون شفنا في لا ميكرو الاس 2 فوالا دابا هادشي اللي درنا هنا في هاد خدو هاد لا فورمول هادشي اللي درنا في هاد لا فورمول بالكحل نديروه لهادي بارابور ا او او شنو هو لا بويسونس ديالها واحد دونك موان ان يعني موان ناقص واحد ناقص فوا لو ك سور او واحد بلس واحد او كاري فوا ال زافي كومبري وي فوالا هادي درناها بارابور ا او نفس الحاجة بالنسبة لبارابور ال تو سامبلومون هنا عوض ما ندير او كاري غندير ال كاري ولكن غتبقى نفسها لو موا فوالا دونك هادي la dérivée par rapport à e fois la variation de e plus la dérivée par rapport à l fois la variation de l etc voilà après Gina had la variation de l hadi اسمحوا لي راه خربقت الورقه had la variation de l شحال كتساوي هي l'investissement moins la dépréciation de L. Il y a l'investissement moins la dépréciation de L. Ok? Moins. Il y a moins là. Je vais le plus. Moins. K sur EL. Il E carré. Je vais donc k sur el fois la variation de e sur e نفس الحاجه بالنسبه لل كاري ال كاري قسمتها وحده جبتها قسمتها على على فاريشن قسمتها على ال وحده خليتها k sur el etc fois variation l sur n لاحظتوا عندنا فاكتوريزاسيون تعميل k fois el k pardon sur el عندنا هنا
K sur EL, on a la dépréciation de capital sur EL. On a bien sûr un moins, on a un de maqam. Ça marche? Après, on a un maqam, la grande I, grand I divisé par EL. Il y a le petit I, il y a l'investissement par travail efficace, moins la dépréciation de capital sur EL. Et après, la variation de E sur E, qu'est-ce que c'est G. La variation de L sur L, qu'est-ce que c'est N. Attends, on y a l'hypothèse. Donc, on a J, tout simplement, bêche. K sur EL, oui. S'il vous plaît, juste une minute. G. Il y a la variation de E sur E, c'est-à-dire le taux de croissance du progrès technique. Ouais. N, la variation de L sur L, le taux de croissance de la population. Le taux de croissance de la population, mais Oui. le taux de croissance du facteur travail. Oui. Alors, le taux de croissance du facteur de travail, il y a le taux de croissance de la population. Déjà, on suppose que on offre le plein emploi. Et la population sera totalement active. Yani, la croissance, autrement dit, si le taux de croissance dit économique, c'est le taux de croissance de la population. Le taux de croissance dit à la population. C'est oui, le taux de croissance lié les facteurs de travail actifs. Du coup, quand on laisse le terme. Ça fait? Oui, merci. Voilà. Finalement, factorisation K sur EL. Et après, K sur EL, c'est le capital par travail efficace petit K. Ouais, da. Donc voilà, d'abord, quelle est la variation de capital chez KSE? D'abord, il est brisé K, le capital de l'état stationnaire. Ça vient de ça, je suis d'abord. Oui. Ok. Donc il est brisé K, la valeur du capital de l'état stationnaire. On va supposer que la variation du K, KSE, chez 0. Ou on a la variation du cash, l'investissement par travail efficace sur la petite SFK, moins la dépréciation plus G plus N fois le capital. Donc, Hatchir en supposé d'abord égal à 0. Hatchir, en supposé égal à 0. Ça marche. Il a supposé BHC égal à 0, tout simplement, bien à l'idée. Donc, F de K. F de K. C'est ça que c'est, oui. Alors, on a l'hypothèse de la fonction de production FK, que c'est, oui, K à la puissance alpha. Bien. Donc, est égal S, K à la puissance alpha, moins la dépréciation, plus G, plus n de madame Mandelon, plus k égale à 0. Si je vois l'investissement de l'équilibre, l'investissement de l'équilibre de long terme, c'est-à-dire i. Donc, la condition de l'état stationnaire. Donc, on a supposé h égale à 0, on va supposer i, et il y a le reste, h égale à 0. Ouais, avec la dépréciation plus G plus N. Là, mais je crois que c'est la puissance alpha. C'est la qui meilleure. Bon, c'est l'investissement. Dépréciation زائد هذا الشيء كامل غيمشي لجهة أخرى.
دابا حنا علاش شي تو اي عوضتوها بهذيك اس؟ حيتاش ديجا عندنا من قبل لقينا بلي اي تيكالا اس واقف كا يعني بحال بحال او اف كا كتساوي كا على بويسونس الفا. باش علاش كتبدا اس كا على بويسونس الفا؟ باش هذيك اس كا على بويسونس الفا هي الانفستيسمون. افكتيف اس كا على بويسونس الفا هي الانفستيسمون. داكشي علاش درت هذا الشيء، باش كنحاول نكتب نلقى لا فاكتوريزاسيون نعمل. انا باغي نبسط، دونك هنا غنعملو كا على بويسونس الفا بكا على بويسونس بكا كا باردون على بويسونس الفا بكا. الوغ الى عملت هنا بكا على بويسونس الفا شنو يعطيني؟ كا طبعا غادي ندير ليه على بويسونس موان الفا، غادي تعطينا اس موان لا ديبريسياسيون بلوس جي بلوس ان فوا فوا شنو؟ كا لا بويسونس ان موان الفا. كا لا بويسونس ان موان الفا، بس الى ضربته في كا لا بويسونس الفا غيعطيني كا ايكال ا زيرو. اوكي دونك ا فوا بي ايكال ا زيرو، ا ايكال ا زيرو، لا بي ايكال ا زيرو. دونك كا لا بويسونس الفا عرفنا بلي هي اف كا، دونك اف كا اي ديفيرون دو زيرو، دونك شنو غيساوي زيرو؟ لو غيست لي هو اس، دونك هاد لا بارتي ديفيرون دو زيرو، دونك شنو غيساوي زيرو؟ هاد لا بارتي فوالا، ستادير اس موان لا ديبريسياسيون بلوس جي بلوس ان فوا كا على بويسونس ان موان الفا ايكال زيرو. اوكي صافي. دونك دابا كيفاش غنلقاو لو كابيتال؟ دابا غندير ديك المتساوية هكا وندير لها لا بيسونس العكس ديال الأخرى. دونك كيفاش غنلقاو لو كابيتال هنا؟ غنحولو داكشي لاخر الجهة الأخرى. دونك غتعطينا S est égal à la dépréciation plus G plus N fois le K à la puissance 1 moins alpha. Voilà. Signifie quoi? Range G à la S à la G on va se prendre K à la puissance 1 moins alpha. Donc K à la puissance 1 moins alpha qu'est-ce que c'est? S sur dépréciation plus G plus N. Ok. Et après, donc, il y a K à la puissance 1 moins alpha, Heda à la puissance 1 sur 1 moins alpha, K. Donc, Heda chef à la puissance 1 moins 1 sur 1 moins alpha, tiens, je suis G. Ça y est, regardez à la puissance. Oui, S dépréciation plus G plus N à la puissance 1 sur 1 moins alpha. Finalement, K, quelle série? S sur G plus N plus N plus, pardon, dépréciation plus N, le tout à la puissance 1 sur 1 moins alpha. Donc il a attaqué à des valeurs. Attaque G, attaque dépréciation, attaque N, attaque alpha. Ou quel que soit le capital de l'état stationnaire. Ça suffit d'avoir la formule, on va remplacer F. Si bien. Je pense que la dernière partie ديال لو كوب هي هادي ديال باردون لو موديل. بيان الوغ فينالمون لو ريست يعني لونسومبل فوالا باش خرجنا بس كي سابيل لو دياغرام دو سولو. فوالا هاد لو دياغرام هو
اللي لقيناه في هذا لو في هذا لو في هذا لو كا ça marche يعني بهذا الديفلوبمون ديال لي ايكواسيون اوترومون دي alors هذا لو ديغرام il représente quoi il représente l'évolution de l'investissement en fonction du capital bien sûr investissement par travailleur efficace capital par travailleur efficace l'état stationnaire sous nos gunnas gunnas que le niveau de l'investissement qui c'est oui le niveau de dépréciation de capital yek huwa had le point يعني فاش لو نيفو دو لانفيستيسمون كيساوي لا ديبريسياسيون اوكي لو كا كونترير سوا لو نيفو دو لانفيستيسمون يكون سوبيريور على لو نيفو دو كابيتال او لا باردون لا ديبريسياسيون دو كابيتال او لا هاد لا زون اللي غيكون فيها لا ديبريسياسيون دو كابيتال سوبيريور على لو نيفو دو لانفيستيسمون سا مارش هنا هاد لو بوان هاد لو بوان د ليغاليتي كيعطينا دو كوردوني اللي هما مهمين بالنسبه لنا جوج ديال لي كوردوني اول اليمون هو لو كابيتال بار باردون لو كابيتال بار ترافير افيكاس ولا لو كابيتال ديتا ستاسيونير هو هذا اللي غنلقاوه من هاد لوردو لوردوني ستادير لو كا ايطوال دوزيام اليمون هو لانفيستيسمون ديال ليتا ستاسيونير اللي هو هذا bien voilà sans oublier blair adna une fonction croissante de production le graphe une fonction croissante de production ou la différence production investissement toujours ou à la consommation donc toujours là, le graphe من بدينا في الاول تراسينا في غير البرودكسيون بوحدو شويه زدنا الانفيستيسمون شويه زدنا لو كابيتال دو ستاسيونير شويه زدنا الانفيستيسمون دو ستاسيونير دونك باش نحصلوا على ان ديغرام يعني اللي كيعطينا لو ريزونمون دو سولو في ان سول غراف سي بيان مزيان شكون غير تعاود ثاني اوكي الو بقات لنا هاد لابارتي واش باقي فيكم اللي يخدم نخدموا هاد لابارتي ولا presque راه قربت لي السوايع جو بونس انا بعدا شخصيا بارك وسات انا بعدا شخصيا انت غتكون عيني في الباج من بعد اوكي اسكو نو ديسبوز ليل ما عرفتش